Merci de nous rejoindre sur Equinox Télévision, mesdames et messieurs. On est le dimanche 18 août 2019. C'est un plaisir de vous retrouver. Hein. On espère que vous allez bien. Dans tous les cas, s'il y a un diagnostic à faire, ne vous inquiétez pas. On est avec un médecin, on avait un docteur cet après-midi. Docteur Patricia Komjongan est notre invitée de cet après-midi. Et c'est le lieu de l'accueillir tout de suite et maintenant. Bon après-midi, docteur. Et bienvenue à Dimanche avec vous. Bon après-midi, Estelle Maëlle. Ouais. C'est un plaisir d'être reçue par vous cet après-midi. Vous allez bien, docteur? Je vais très bien. Ce sont des questions qu'on ne pose pas généralement aux médecins. Hein. On ne cherche pas à savoir si le médecin va bien, le docteur va bien. On va toujours, lorsqu'on a des problèmes, et on oublie même que c'est un être humain fait de chair et de sang et qui peut être aussi soit malade ou bien affecté, avoir des problèmes. Je repose la question. Vous allez bien, docteur? Par la grâce de Dieu, je ne me plains pas. Ça va. Tant que la santé va, je peux dire que tout va très bien. Ça fait plaisir de poser la question à un docteur, de savoir est-ce que ça va. Même si on sait qu'on n'a pas les moyens de réparer tout ce qui pourrait suivre après. Oui. Alors, je suis ravie de vous recevoir. D'abord parce que vous êtes une dame. Les hommes, les femmes sont un peu rares sur ce plateau, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça fait plaisir d'être avec une femme en train de discuter, de parler. Alors, vous avez beaucoup de casquettes, ça, il faut le dire. Hein. On a même du mal à les dérouler. Hein. Ça va médecin aller, légiste, médecin de travail, médecin, la médecine légale, vous avez fait pas mal de choses, hein, suivi pas mal de formations. On en reparlera au cours de ce programme, mesdames et messieurs. Prenez votre mal en patience. Mais d'abord, vous êtes camerounaise. Oui. 100%. 100% camerounaise. Née à Yaoundé. Née à Yaoundé, le 6 juillet 66. Ce qui vous fait exactement 53. 53 ans exactement, le 6 juillet, oui. Donc, mais vous ne faites pas votre âge. Hein. L'âge est devant, vous êtes derrière, quoi. Ah ben écoutez, on essaye de se maintenir comme on peut. C'est pas évident, mais bon, je fais comme vous. Ah, d'accord. pour rejoindre l'expression bien camerounaise, hein, qui va se négliger, quoi. Personne ne veut se négliger. Et c'est bon pour les yeux, c'est bon pour soi-même aussi. Vous avez grandi à Yaoundé? J'ai grandi à Yaoundé, donc je suis née à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé, particulièrement, j'ai passé toute ma jeunesse au quartier Olézois. Olézois à l'époque, c'était pas Olézois actuel, hein. Oui, c'était encore la Brousse, en dehors de l'ambassade de France qui était tout en haut de la rue où j'habitais, c'était les autochtones en fait, oui. Donc j'ai fait mon école maternelle. Au parc Repiqué, c'était le parc Repiqué à l'époque, et ensuite il y avait l'école du centre. Et le parc Repiqué, restons-y un peu, parce que le nom, ça, non seulement ça me parle, Repiqué, parc Repiqué, mais là il faut dire qu'il y avait beaucoup plus des blancs, comme on dit, hein. c'était un établissement mixte, il y avait des blancs. C'est vrai qu'à notre époque, en fait, il n'y avait pas, l'éducation n'était pas dissociée, c'était, il n'y avait pas Dominique Savio, Fustel de Coulanges. Donc, on avait aussi bien les Camerounais que les expatriés dans les différentes écoles au Cameroun. Et vous avez un directeur blanc, comment on dit? Ça, c'était à l'école du centre. Je me rappelle M. Robert, qui était le directeur de l'école du centre, et, qui est toujours situé à deux pas de la poste centrale. Donc, c'était un mélange de tout. Et la petite anecdote, je me rappelle, l'histoire, c'était l'histoire de France. Qu'on étudiait. C'est un petit livre bleu, donc j'ai encore le souvenir. Oui, pas l'histoire du Cameroun, mais l'histoire de France. Je ne peux pas dire que c'était la période post-coloniale, mais on était peut-être dans la transition. C'était le petit livre bleu de l'histoire de France. Vous avez naturellement appris l'histoire de France. Oui, on a appris. Bon, il y avait la morale, bon, il y avait quand même d'autres matières qui nous faisaient nous imprégner un peu de la culture camerounaise aussi. On ne peut pas dire qu'on apprenait que ce qui est français à l'époque. Oui. Donc, on a passé de très bons moments. J'ai encore des amis aujourd'hui que je retrouve, qu'on a retrouvé pratiquement 40 ans après. Je les citerai peut-être plus tard. Ouais. Donc, je fais... Après ça, donc, vous allez vous retrouver du côté du lycée Leclerc. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'au cours moyen 2, donc ensuite, on a eu le concours. Et on se retrouve au lycée Général Leclerc. C'était le plus grand lycée public à l'époque. Oui.
donc, où j'ai fait de la 6e en terminale. Donc je me retrouve en 6e 1 au lycée Leclerc avec beaucoup de mes amis qui sont peut-être en train de me regarder, J.C. Ndongo, Aïssatou Issa Bakari, Pauline Baïbec et j'en passe. Vous avez encore les noms à porter de doigts comme oui. Ça veut dire que vous revoyez de temps en temps. On se revoit, on a eu à se revoir il n'y a pas longtemps. On a créé un blog WhatsApp où on se retrouve et c'est très, très, très animé. Ah, d'accord. Mmh. OK. Donc, c'est avec ces personnes que vous venez de citer que vous avez passé votre enfance. Tout là-bas au lycée Leclerc. Oui. Alors, une fois arrivé en seconde, vous avez choisi, parce qu'il faut, il y a une option où on choisit les langues quand même. Oui, c'est vrai que j'ai fait jusqu'en troisième et après, j'ai opté pour la D, en fait, parce que j'avais l'intention de faire médecine. Donc, il fallait faire une série scientifique. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'avec plusieurs de mes camarades, on s'est séparés. Certains ont opté pour la série littéraire, mm-hmm. pendant que moi j'allais en série scientifique, dans l'optique de faire médecine plus tard. D'accord. Bon, j'avoue que je veux quand même, entre guillemets, c'était la période du lycée Leclerc est une période où on a passé les meilleurs moments de notre jeunesse. Qu'est-ce que vous mettez dans les meilleurs moments de votre jeunesse, Madame Combe? On était jeunes, on avait 10-15 ans, la puberté. À l'époque, je me rappelle, je faisais les ballets. Mmh. J'étais dans un petit groupe de ballet qui s'appelait les Roquinettes. Ballet, il faut dire, ce n'est pas le ballet. Hein. Non. C'est un groupe de danse. Avec un orchestre. C'était les Roquinettes et l'orchestre s'appelait les Rockings Fellow, mmh. qui était chapeauté par M. Ndoé, qui était le chef d'orchestre. Et on était les quatre Roquinettes. Donc, vous aimez danser? J'aime danser. Et vous avez eu à danser quand vous étiez au lycée? J'ai eu à danser. Il y avait des compétitions aussi qui se faisaient? Parce qu'à l'époque, il y avait les compétitions inter-établissements de danse pendant la période de Pâques, les groupes. Il y avait la semaine culturelle, Oui, les semaines culturelles. Mais nous, c'était pas orienté dans ce cadre-là. C'est-à-dire, c'était la petite jeunesse espiègle qui aimait vivre. Parce qu'on aimait vivre. Mmh. Donc, la vie était belle. La vie était belle. Mmh. Et vraiment, les parents en ont un peu souffert quand même, ça je le reconnais. Donc, souffert comment? Avec leur poche ou bien la délinquance, la tétutesse? Non, pas... Bon, on veut savoir dans quel sens les parents ont souffert. Peut-être pas les poches. Bon, peut-être qu'on était un peu trop espiègle. Hein. Mmh. Et puis, c'était notre génération. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, nous, avec nos enfants, on arrive beaucoup plus à cadrer. Parce qu'on a vécu cette époque-là. Mmh. Mais les parents d'avant, c'était les parents de l'époque coloniale. Mmh. Donc le super modernisme, là, ils ne comprenaient pas grand-chose. Donc vous réussissez à cadrer les enfants aujourd'hui parce qu'il y a des parents qui se disent dépassés par les enfants. Mais si vous réussissez à le faire, c'est tant mieux pour vous. Hein. Peut-être que vous avez vu la clé du succès. Alors, maman était enseignante. Oui. Et papa? Maman était enseignante, oui. C'était une éducatrice, donc elle était assistante sociale. Papa, il a été ingénieur aéronautique civile, donc les premières promotions camerounaises de l'ENAC de Toulouse. Oh, oui. Donc c'est un peu eux qui ont été à la base de la SECNA. C'est eux qui ont fait la SECNA à l'époque, oui. C'était les bobos, comme on dit au Cameroun. Bon, si vous avez... C'est une appellation bien c'était contrôlée. C'était les fonctionnaires. Oui, c'est une appellation bien contrôlée camerounaise. Camerounaise, mais de Douala. Comme pour dire que c'était des personnes quand même qui n'avaient pas faim, vous êtes dans une belle famille. Non, je ne peux pas dire ça. C'est-à-dire qu'à notre époque, Yaoundé, c'était les fonctionnaires. On avait le sens de l'humilité. Ce n'était pas l'argent. C'était, comment on dit ça? C'est-à-dire les valeurs humaines. C'était ce qui était beaucoup plus important. Mm. Moi, quand je fais à Compario maintenant, je me rends compte que c'est plutôt l'argent qui est au devant de la scène actuellement. Les valeurs morales. Les valeurs morales. On foutu le camp un peu. Peut-être pas tout à fait, mais ça va un peu décrescendo. Ça s'effrite. Voilà. C'est-à-dire que les relations étaient sincères. Mm. Ça, je le reconnais honnêtement à l'époque à Yaoundé. Ok. Après cela, vous décidez donc d'aller à l'université de Yaoundé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Yaoundé 1, Yaoundé 2, il n'y avait pas tout ça. C'était l'université de Yaoundé. Oui. L'université de Yaoundé, en fait, je me retrouve, je ne peux pas dire par hasard, parce que pour moi, je devais faire médecine. Et à l'époque, le gouvernement camerounais octroyait des bourses. Et j'avais même été présélectionnée. Les listes sortaient, je pense, au mois de mars. Mm. Et il s'avère donc à la rentrée, mon nom ne sort pas parmi les anciens présélectionnés.
Et c'est comme ça que je me retrouve donc en train de faire sciences naturelles à l'université de Yaoundé. Comment ça, votre nom n'est pas sorti? Vous êtes présélectionné? Vous êtes au courant de ce que les choses vont se passer? Non, après, votre nom ne sort pas. Présélection ne veut pas dire une garantie. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a un nombre bien arrêté. Mm-hmm. Présélection, c'est avant les résultats du bac. Tout à fait. Après, il y a les résultats du bac. Mm-hmm. Et je suppose que par rapport à la méritocratie, mm-hmm. il y a un classement qui est fait. Mm-hmm. Peut-être que je n'ai pas eu la chance d'être... C'est comme ça que vous avez pris les choses? Ben, j'ai pris ça comme ça. D'accord, tant mieux. Je rappelle que elle, c'est notre invitée, c'est le docteur Patricia Kom Ndjomgan. Elle est médecin légiste, elle a beaucoup de casquettes, elle a eu à faire beaucoup de formations. Mais le temps pour nous, hein, on va y revenir, le temps pour nous de marquer le premier stop de ce programme. On prend cette belle musique juste derrière, on se retrouve, mesdames et messieurs.
Docteur Patricia Komjongdan est notre invitée de cet après-midi. C'est quoi un médecin de travail? C'est quoi un médecin légiste? C'est quoi aussi un médecin légal? Elle va apporter quand même des éléments de réponse à toutes ces questions, tenter de vous expliquer, détailler aussi, entrer en profondeur sur les rôles et les attributs de chacun de ces médecins-là. Pour l'instant, on continue notre causerie, notre petite causerie avec elle. Alors, docteur Komjongdan Patricia, tout à l'heure, avant de prendre la pause, on était en train de parler de cette étape-là que vous avez eu à franchir du côté de l'Université de Yaoundé. Votre nom n'est pas sorti. Voilà, vous êtes les boursiers, parmi oui. les boursiers, mmh. et c'est ça qui fait en sorte que vous êtes quand même resté. Oui, je suis mmh. restée. Donc, j'ai fait le premier semestre à l'université parce que sciences naturelles, c'est ce qu'on appelait un peu SN à l'époque. On appelait un peu ça la Chine populaire. Bon, et c'est vrai que dans l'optique, pour moi, d'aller faire médecine, je n'étais pas très concentrée pour ces études. C'était un peu une passerelle. Ça fait qu'en février, quand les résultats des partiels sont sortis, les notes étaient très catastrophiques. Hein. C'est-à-dire que vous avez échoué? Les notes étaient horribles. C'était 5, c'était 2, c'était 3, c'était 4? Non, je ne dirais pas, je ne me rappelle plus très bien de... Alors là... Mais ce n'était pas bon du tout. Oui. Et en fait, j'avais maman qui avait eu un stage en France. Elle avait fait un stage de 9 mois. Et elle m'avait informé qu'elle m'avait trouvé une place à la faculté de médecine de Nancy. Et donc, en fait, pratiquement le deuxième semestre, je n'allais pratiquement plus à l'université de Yaoundé. Mmh. C'est-à-dire que je préparais mon départ pour l'Europe. Tout à fait. Vous savez, tout le monde voulait après le bac partir. Mmh. C'était un peu ça. Mmh. Alors, c'est maman qui vous oriente ou bien ça vient de vous-même? Non, médecine, c'est moi qui ai décidé de faire médecine. C'est-à-dire que, c'est vrai, j'étais petite quand mon père est décédé. Mais, vous aviez 8 ans. J'avais 8 ans, effectivement, c'était en 74. Et je voyais, c'est-à-dire que la santé, c'est quelque chose que j'ai eu à cultiver. Et un jour, je lui dis, je veux faire médecine. Je lui dis, si j'étais médecin, peut-être papa ne serait pas mort. Donc, je m'appelle très bien encore de cette phrase. Et c'est ça qui m'a amenée à me focaliser sur le métier de médecin, médecin, médecin à tout prix. D'accord. Donc, c'est un peu comme ça que j'entre dans ce domaine-là. On comprend que vous aimiez votre père. Hein. C'est naturel. Hein. Tous les enfants oui, aiment Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas parents, connu très longtemps. Mais de là à vous pousser à aller apprendre, faire une formation en médecine, ça veut dire qu'on comprend jusqu'à quel point vous n'aviez pas souhaité vous séparer de papa et que vous êtes restée un peu impuissante face à la mort et vous cherchez un peu des raisons quelque part et comment faire pour remédier à ça. C'est qui est une bonne chose, docteur. Mais arrivé une fois en Europe, vous avez poursuivi vos études, plus précisément c'était en Allemagne. Vous commencez par où? En fait, je commence à Nancy. D'accord. À Nancy, donc j'arrive et il s'avère que dans le cursus français, il y a ce qu'on appelait le numerus clausus. C'est-à-dire que c'était 5% des étrangers. Il y avait un concours en fin de première année et donc on ne prenait que 5% des étrangers. Et quand je dis étrangers, ce n'est pas les Africains, c'est tout étranger confondu. D'accord. Donc c'était relativement corsé. J'ai fait mon année normalement. Et je connaissais maman, je n'étais pas la seule enfant à sa charge. Je dis, ah, il faut essayer de voir dans quelle mesure on va prendre la relève demain pour obtenir une bourse. Elle avait 4 enfants, puisque vous parlez d'enfants. Maman avait 4 enfants, dont la première est passée. Oui, la première, l'aînée, on ne l'a pas connue, parce qu'elle est morte bébé. En fait, on était 4 filles, elle est morte bébé. On est 3 filles et je peux dire qu'on est 5 parce que, et puis maman a élevé beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que les 5 qui habitaient à la maison, parce qu'on avait les 2 enfants de la petite soeur à maman, et j'avoue que c'est très tard qu'on a même su qu'on n'était pas des sœurs utérins. C'est-à-dire que maman n'a jamais fait de discrimination dans notre éducation. D'accord. Ça, donc, donc vous êtes une fausse deuxième aujourd'hui, parce que la première elle est partie, donc vous êtes 3 à maman. Si on peut dire ça vous êtes comme la deuxième, ça. Ok. C'était juste une parenthèse. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Donc vous n'étiez pas la seule à maman. Oui. Et ce qui fait que vous avez pensé à ça. Ce qui fait que je me dis, ah, il faut essayer de voir dans quelle mesure financièrement ça risque de peser. Et donc, c'est moi qui prends mon dossier, je confectionne un dossier de bourse. Je dis, bon, j'arrivais au Cameroun, je dis, tant qu'à le déposer à l'ambassade, le cursus était en fait déposé à l'ambassade de France qui a cheminé à la commission. Je dis, c'est plus simple de venir carrément déposer le dossier de bourse à Yaoundé. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et quand mon nom sort
j'attendais mon nom pour une bourse pour continuer à Nancy. Mm. Je vois mon nom au départ plutôt pour l'Allemagne. Bon, j'avais pas le choix. Tout à fait. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée en Allemagne à refaire une année de langue dans un petit village assez particulier qui s'appelait Radebeul. Et après, donc, après l'année de langue, on me parachute donc à Berlin. Comment est-ce que ça se passe en Allemagne? Les choses se passent plutôt bien pour vous? Les études, ça évolue, ça progresse, hormis le fait que vous deviez à un moment donné vous battre pour essayer d'assumer certaines charges financières, parce que là-bas, ça rigole pas. Hein? Oui, c'est vrai que quand on arrive, on était boursier. Bon, après, il y a eu des petits problèmes. Le Cameroun, on n'arrivait plus à avoir nos bourses de façon régulière. Donc, on était tous obligés de faire des jobs pour pouvoir joindre les deux bouts et pouvoir continuer à faire ses études sans encombre. Et bon, pouvoir rester aussi avec sa chambre, parce que sinon, on vous met dehors. Hein. Oui, parce que les chambres, en Allemagne, quand vous prenez une chambre à l'université, ce n'est pas vous qui allez payer le loyer. C'est eux qui récupèrent le montant du loyer directement de votre compte. Et s'il n'y a pas d'argent dans le compte, vous avez 15 jours pour débarrasser les lieux. Donc, vers la fin du mois, moi, je me rappelle très bien, tous nos camarades camerounais, on était tous lancés dans les jobs hein, pour pouvoir renflouer le compte bancaire pour satisfaire aux besoins du loyer à payer. Et... Vous avez fait des jobs en Allemagne? J'ai fait des jobs en Allemagne. C'était quoi le job? Dites-nous. Les jobs en Allemagne, oh là là. La plonge, comme on dit. Il y a de tout. Vous avez fait quoi? Moi, j'ai fait de la plonge. J'ai eu à faire de la plonge. Je me rappelle très bien, j'arrivais une fois, une anecdote. C'était un TD à 14h et quand j'ouvre la porte, j'avais les odeurs de nourriture du restaurant qui sortait de partout. Donc, j'ai eu à faire des chambres d'hôtel. Dans les hôtels, vous arrivez le matin, on vous donne une liste de 30 chambres. Donc, Mais est-ce qu'on prend la peine de vous former quand même, de vous dire... Non, c'était très, très bien réglementé. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Au niveau de l'université, il y avait un bureau qui affichait les jobs. C'est-à-dire que si un chef d'entreprise a besoin d'un étudiant pour 2-3 heures, donc les jobs sont affichés heure par heure. En fonction de votre emploi du temps, vous allez, vous tirez un numéro, vous choisissez le job que vous voulez, vous allez le faire et vous revenez, vous payez les impôts. Donc en plus, le job est là, il vous attend. Hein. Oui, bon, c'était pas aussi évident que là, que ça, mais bon, il y avait des jobs quand même à ce moment-là. Okay. Mais c'était très bien réglementé. Ça fait que vraiment, on n'avait pas de gros problèmes pour s'en sortir financièrement. Quand vous étiez fauché, vous allez à la fac, vous prenez un job. Est-ce que vous trouviez ça contraignant ou alors c'était normal puisque vous aviez besoin d'argent? Non, on ne peut pas dire que c'est normal. Ben, l'idéal, c'est d'aller faire ses études et d'avoir son argent tous les mois sans avoir à se décarcasser. Et puis, aller à l'école sans être absente, manquer un cours parce qu'il faut aller faire les jobs. Parce qu'il y a des moments où on était obligé de manquer certains cours, puisqu'il y avait des charges à payer pour aller faire dans ces petits boulots-là parce qu'il nous fallait de l'argent. Vous avez quand même réussi à continuer à payer vos études et à gérer certains problèmes courants? Oui, c'est vrai que l'université en Allemagne est publique. Je pense jusqu'à présent, l'université est publique. C'est quand même l'avantage qu'on avait. Donc, c'était le pécunier pour pouvoir vivre au quotidien. Donc, mais je vous rassure quand même, j'ai récupéré tous mes arriérés de bourse quand je suis rentrée au Cameroun. Voilà, tant mieux pour vous. Hein. Vous allez nous dire pourquoi vous êtes rentrée au Cameroun, mais avant, parlez-nous. Puisqu'on est dans les années 90, du fameux mur de Berlin. Vous étiez en Allemagne à ce moment-là. Oui, effectivement. J'ai vécu la chute du mur de Berlin. C'était très émouvant. C'est vrai que je l'ai vécu comme vous à la télé, parce qu'il y avait un monde fou dans la rue. C'était un moment à faire couler les larmes. Ça, il faut le reconnaître. Comment ça? Vous savez, c'était deux mondes. Imaginez-vous un peu dans Douala où vous avez New Bell enclavé dans un mur où ils ne peuvent pas sortir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir pour aller de l'autre côté. Vous consommez les produits locaux qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelait les produits de l'Ouest, qui était assez particulier. Vous avez vu dans les télévisions les petites voitures qu'on appelait la Trabi, les Trabans, qui étaient des voitures, bon, je ne vais pas dire ridicules, mais assez particulières quand même. Hein. Donc, c'était le système communiste du côté Est. Et à côté, vous avez le système capitaliste, qui parle la même langue, qui se voit à la télé. Parce qu'à Berlin, quand même, on captait les chaînes des deux côtés. Bon, c'était une sorte de prison, c'était
c'était pas beau à voir en tout cas. Donc après ça, la vie est revenue, et les personnes étaient contentes. Il y a des gens qui n'avaient pas vu leur famille depuis des pendant plusieurs années. Oui, qui ont retrouvé leur famille. Oui, certains avaient pris de l'âge, d'autres avec des rides. Effectivement. Mmh. Bon, il y en a qui ont apprécié l'ouverture, il y en a aussi qui n'ont pas beaucoup apprécié. Mmh. Parce que d'un côté, le système communiste, on avait le loyer gratuit, mmh. on avait l'emploi. Maintenant, on ouvrait au capitalisme, c'était tout un autre monde. Mmh. Il fallait se battre. Pour vivre. Hein. D'accord. Vous nous avez dit que vous êtes... C'était juste une parenthèse, hein, oui. Madame comme Patricia. Alors, maintenant, ce n'était pas ce pourquoi vous êtes allée en Allemagne. Vous êtes, après vos études, vous êtes quand même, vous avez obtenu quand même votre diplôme de docteur. Oui, je finis dans mes études en 95 et je rentre. Parce que la dernière était née, elle est née en 95. Dès qu'elle a eu un mois, j'ai plié mes bagages, j'ai tout abandonné. Mmh. J'avais laissé à un beau-frère la charge de tout emballer et d'expédier après. Et je suis rentrée au Cameroun. Pourquoi vous rentrez? Parce qu'on sait que la donne, c'est que c'est très à la mode. Lorsque les Africains arrivent de ce côté-là, personne ne veut revenir. Donc quand on entend une dame dire « je suis revenue au Cameroun », pourquoi vous êtes revenue au lieu de rester là-bas comme beaucoup d'autres personnes qui nous regardent naturellement du côté de l'Allemagne, hein? Après, les études sont restées. Oui. Déjà, je prends le contexte allemand, indépendamment d'un autre côté dont je vais parler. En Allemagne, le côté intégration à l'époque, ce n'était pas comme maintenant, où on donne des passeports allemands aux étrangers. C'est-à-dire que vous finissez vos études, normalement, vous partez. J'ai pas mal de collègues qui sont partis aux États-Unis, ils sont partis de par le monde. C'est-à-dire que soit ils épousaient une Allemande pour pouvoir avoir les papiers restés et pouvoir travailler sur place, soit vous étiez obligé de partir. Bon, ça c'est un. De deux, j'avais la famille ici. Il y avait un cœur qui battait pour, quelqu'un ici. Il y avait le mari voilà, naturellement, ici, ouais. au Cameroun. Mm-hmm. Donc, le rapprochement familial, j'avais fini mes études, j'avais plus de raison de rester. Il fallait rentrer au Cameroun. Ouais. Donc, voilà un peu les raisons. La décision que vous avez prise, quand bien même on sait qu'il y en a qui, malgré tout ce que vous venez d'énumérer, décident toujours de rester là-bas. C'était votre choix, vous ne le regrettez pas aujourd'hui? Je ne le regrette pas. J'adore le Cameroun. Je vous assure que ce pays, je ne sais pas si je peux vivre ailleurs. La qualité de vie que c'est difficile. On ne peut pas dire que c'est difficile le Cameroun. Mais c'est difficile partout, mais j'aime le Cameroun. D'accord, ok. Elle aime le Cameroun, mais elle aime d'autres choses encore. Quand madame, comme Patricia n'est pas sur un plateau de télé, quand elle n'est pas dans son cabinet, qu'est-ce qu'elle fait? Observons-la, c'est une dame. Avec toutes ces casquettes, et c'est quoi un médecin de travail? Je vous l'ai dit tantôt, juste après cet élément, on va attaquer naturellement ce domaine-là. Madame Patricia Combe, son 13 minutes insight, c'est maintenant. Sa forte personnalité n'en fait pas moins un ministre de l'Intérieur. Le docteur Patricia Combe-Jonga est debout à la petite matinée cette journée fériée afin d'honorer les quelques rendez-vous et courses personnelles prévues dans son agenda ce jeudi. Un petit café pour booster son punch matinal. Grillé, le pain complet, parce que avec l'âge là maintenant on fait attention un peu, on se bat, on fait attention à la ligne, on ne se permet pas de manger tout et n'importe quoi. Donc je prends un morceau de pain complet, du café noir, jambon et un jus de fruits. Le pain complet ça dépend, hein. Si j'ai du jambon, du saucisson, du gruyère, je mets un tout petit peu dessus. Et toujours un jeu. Ben, j'essaie de compléter un peu mes petits manquements qu'il y a à la maison, papier toilette, essuie-tout, de la viande, des jus de fruits naturels, quelques jus de brasserie aussi parce qu'on en a pris, c'est surtout pour les enfants. Bonjour. Bonjour. Toujours les mêmes gens. Toujours en forme. Non, toujours en forme. On ne change pas
Sa mission ici, c'est évaluer, prévenir les risques d'accidents de travail et des maladies professionnelles. Une expertise dans laquelle des confrères d'autres spécialités peuvent être amenés à intervenir, c'est selon les cas et besoins. Tous les trois mois, on a une réunion d'environ 2 heures de temps. Et à l'issue de cette réunion, on sort un plan de travail pour l'amélioration des conditions de travail donc, du personnel. Et qu'on évalue tous les 3 mois, parce que la réunion se doit se passer normalement tous les 3 mois. Bon, au préalable, quand même, il y a un cheminement, parce que normalement, il y a ce qu'on appelle la visite de lieu de travail qu'on fait, poste de travail par poste de travail. Et sur cette base, on fait une cartographie des risques poste de travail par poste de travail. Et c'est à ce moment qu'on va établir une politique pour la gestion, la prévention des risques professionnels et accidents de travail en entreprise. Donc il faut améliorer les conditions de travail du personnel pour que la productivité en entreprise soit le plus élevée possible. Partout où il y a un travailleur, il doit avoir la médecine du travail. Très important. Parce que la médecine du travail, elle est préventive. Le risque. Quand Mme P travaille à l'infirmerie, qu'est-ce que Mme P risque? Donc, il faut avoir un médecin de travail. Dans le cadre du comité d'hygiène, santé et sécurité, elle étant le médecin de travail, elle nous apporte beaucoup plus en ce qui concerne les différentes pathologies, les risques dans le métier. Beaucoup de choses dans ce sens, en fait. Et donc, à travers elle, parfois des séminaires, des visites systématiques d'ailleurs que nous faisons par an, par entreprise. Elle est très ouverte, elle est disponible. Son téléphone est ouvert à tout moment. Quand vous l'appelez, elle est toujours au bout du fil. Ça fait 25 ans qu'on se connaît. Elle est déjà comme une sœur. Le docteur Patricia Komjomga est parmi la petite centaine de médecins de travail que compte le pays. C'est une spécialité dans laquelle le Cameroun n'offre pas de formation. Pas de formation également dans son pays en médecine légale. C'est son domaine de prédilection. Les médecins légistes, comme on les appelle, interviennent lorsqu'un décès est suspect. Ils travaillent à rechercher les causes, notamment par des autopsies, mais les cas de viol, blessures et tout autre service corporel les intéressent. Vous avez les accidentés de la voie publique qui sont cognés par les voitures. Il faut pouvoir faire des expertises pour évaluer pour que l'assureur indemnise. Ça, c'est les victimes vivantes. Maintenant, on a le côté victime morte. Ça, c'est le côté thanatologie. C'est chercher quoi? Les causes d'un décès. Mais j'avoue que c'est peut-être en Afrique ici, je ne sais pas si ça fait 5 à 10% de mon activité. À peine une quinzaine au Cameroun, les médecins légistes portent un bien titanesque combat, celui de faire accepter la noblesse de leur spécialité dans un environnement où le sens de la vérité n'est pas forcément partagé. Et c'est le docteur Kom, président de la Société camerounaise de médecins légaux, qui est la figure de proue de ce combat, aux côtés d'autres promotionnaires de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar au Sénégal, comme le docteur Sylvain Captu. Notre rôle en tant que pionnier, c'est de faire la promotion de cette discipline dans la communauté, de faire la promotion de cette discipline auprès des autres disciplines médicales, afin qu'on puisse nous solliciter pour apporter notre plus-value dans les diagnostics médicaux et dans l'évolution de la science. À l'observation, le docteur Kom est issu d'une génération dorée. Ses camarades et amis d'enfance comptent l'avocat au barreau du Cameroun, Maître Claude Assira, l'actuel directeur de l'hôpital La Quintini de Douala, le docteur Luri Chanjok, qui s'est souvenu des rivalités avec son ami de l'école primaire publique de Yaoundé, puis du lycée général Leclerc. Ça fait 42 ans qu'on se connaît. Nous étions camarades au CM2 à l'école urbaine du centre administratif à Yaoundé. Et Patricia était très, très brillante. Et moi, ça m'énervait parce que je me disais, à cette époque-là, une fille ne peut pas me dépasser. C'est moi qui dois être premier. Donc, elle était tout le temps devant moi et ça m'énervait. Jusqu'au jour où j'ai découvert que
elle avait comme répétiteur le maître de notre, le maître de la classe. Et puis moi, je lui dis un jour, ah, mais Patricia, je comprends pourquoi tu es devant moi. Même si tu as le même répétiteur qui te donne l'épreuve la veille, même si c'est moi, je serai premier. Et elle a très mal piqué, elle a très mal pris la chose. Et on avait des rapports plutôt conflictuels parce que je voulais être premier et elle était première tout le temps et ça m'énervait. Et puis j'ai compris quand on a eu le concours d'entrée en 6e au lycée Leclerc, j'ai compris qu'elle avait le dernier mot parce qu'elle était dans le peloton de tête. Moi, j'étais admis en 6e M2, elle était admise en 6e M1. Donc, c'est quelqu'un d'assez brillant. Ça n'a pas son parcours, ne le dément pas. Fine, rigoureuse, mais très avenante, la franchise est son identité remarquable, confie ses proches. Proche de ses enfants, parce qu'il y a des femmes qui ont tendance à privilégier le professionnel à la vie familiale, mais elle, ce n'est pas le cas. Elle arrive à associer les deux. Elle est là pour ses enfants, elle est là pour ses patients. Et c'est une femme très, très déterminée. L'ambiance qu'il y a dans le travail, le milieu de travail est moins que ça. C'est moins que ça. De temps en temps, on blague, on cause de tout et de rien. Et on travaille aussi beaucoup plus. Mais quand je fais, il m'arrive de faire une erreur dans le travail, elle se fâche, elle me gronde. Elle me gronde et quelques temps après, elle revient sur les meilleurs sentiments. Cette mère de 4 enfants, dont 3 filles et un garçon, a-t-elle inspiré la 3e de la famille? Manuela, admise en 4e année de médecine, nous avoue que c'est un choix personnel et pas forcément en lien avec la trajectoire de maman, même si elle y a contribué. Petite, j'ai vu un épisode de National Geographic. Ils étaient allés dans un village, les villages étaient très pauvres et ils ont filmé ces petits enfants avec des anorexies, tout maigre, avec des maladies. Et depuis ce jour, je me suis dit, oh, je serai médecin, je vais venir les sauver, les guérir, et voilà. Et après ça, à partir de la première terminale, j'hésitais entre avocat et médecin. Pourquoi? À cause des séries de lois, les... esprit, policière, justice, tous ces trucs-là. Mais je suis calée à médecine parce que je connaissais personne. C'est vrai, je connaissais personne d'autre qui faisait loi, donc je ne pouvais pas vraiment analyser ce métier-là vraiment en profondeur. Et sachant que maman est médecin, elle a pu vraiment me donner les avantages et les inconvénients de la médecine. Fritz Gérald, lui, opte pour les sciences politiques, un peu comme pour apporter de la diversité, à l'exemple d'autres de ses sœurs, inscrites en cycle d'ingénierie. Et maman est vraiment ce genre de personne qui met en nous ce désir de l'éducation et de la culture parce qu'elle nous a toujours dit que chez l'homme en général, la chose la plus importante c'est l'éducation parce que si on nous retire l'éducation, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a plus rien. Donc c'est vraiment l'éducation qui... La responsabilité du parent n'a pas de limite, nous confie le docteur Patricia Com. Une poule pour sa progéniture. Alléluia, oh, alléluia, 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 Jésus. Nous voulons vivre ta gloire, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Magnifique, hein? Magnifique, très belles images. Et derrière ça, on a un message également très fort, hein, de notre invitée Patricia Com Ndjomgon. Et rappelons qu'elle est maman de 4 enfants. Les 2 sont actuellement au Cameroun. Il y en a 2 qui ne sont pas au pays et qui certainement nous regardent en ce moment. Alors, on est de retour, hein? Merci à Dallas Tchana et à Donald Brice Kamgan pour ce magnifique reportage, hein? Ça n'a pas été évident, docteur, de voir des gens arriver comme ça, vous suivre dans les supermarchés et tout et tout. C'est vrai que ce n'était pas évident du tout. Hein? Vous avez l'habitude de faire des courses, mais cette fois-ci, avec une caméra derrière. Non, je salue le professionnalisme de l'équipe.
Ils ont été très coopératifs. Tout s'est bien passé dans les normes. Mm-hmm. Vraiment, je leur dis bravo. Ah, d'accord. Je ne sais pas s'il est d'accord avec vous ou pas. Donald Brice, bon après-midi et bienvenue. Hein. Bon après-midi Esther, bon après-midi l'auteur. Bon après-midi. Et à nos téléspectateurs, ça va. Voilà, un autre dimanche dont est arrivé. On est avec Donald Brice Kamgan maintenant, qui était sur le terrain avec notre invité. Il va nous expliquer peut-être de fond en comble, peut-être échanger encore avec notre invité pour nous dire oui, d'autres choses. Oui, peut-être d'abord l'avis sur ce reportage, maître, docteur. Oui, le reportage, c'est vrai que ça me fait revoir un peu. Vous êtes senti un peu harcelé, non? Comment? Harcelé, vous êtes senti un peu harcelé pendant... Non, non. Honnêtement, je suis même surprise des déclarations de tout le monde, là, de mes enfants. Ça me fait plaisir. Je ne savais pas qu'ils étaient aussi éloquents. Hein. Vraiment. Sinon, bon, j'ai revu mon ami, le professeur Njok. C'est vrai que ça, c'est Yaoundé, c'était la guerre. Une hein. Relation conflictuelle. Oui, oui, non, c'était vraiment la guerre. C'est tout petit, c'était la guerre. Bon, maintenant, on est restés de bons amis, puisqu'on a opté pour la même carrière. Et j'ai vu qui, Maître Assira aussi, on a fait le lycée ensemble. Bon, il n'a pas pu intervenir. Elisabeth Changom, c'est une sœur pour moi. C'est quelqu'un qui me connaît, qui m'a vu évoluer, qui connaît toute ma vie, qui connaît les enfants, qui a vu les enfants grandir. Et elle est entière, c'est une femme entière, oui. Alors, docteur, parlons un peu de votre parcours. Il est un peu hors norme, donc on dirait un peu paradoxal. Vous avez choisi le chemin inverse par rapport à certains de vos confrères. Beaucoup se forment ici et vont ailleurs. Vous êtes formé en Allemagne, vous revenez au Cameroun. Oui, moi je reviens au Cameroun parce que je pense que tout le monde ne peut pas partir. Nous avons un pays. Il faut construire ce pays. On apprend des technologies là-bas qu'il faudrait qu'on apporte chez nous pour pouvoir développer et faire évoluer la science. S'il faut qu'on apprenne à l'extérieur et qu'on reste là-bas, nous, qu'est-ce qui va nous rester? Moi, j'ai fait de la médecine légale. Pour moi, l'idéal, c'est que ça soit une spécialité qui soit développée dans notre pays. Quand on voit tout ce qui se passe, comme je vous disais à la maison, les viols, les agressions, les sévices, c'est du domaine de la médecine légale. Quand je vais faire un stage à l'Institut médico-légal de Paris, par exemple, je souhaiterais qu'on ait un institut médico-légal aussi ici dans notre pays. Parce qu'il y a des gens, des victimes... Il n'y en a pas en Afrique centrale. Je n'en connais pas. Il y a un institut médico-judiciaire, je pense, si ce n'est pas bien le mot, qui a quand même été créé à l'hôpital central de Yaoundé, qui gère ce côté violence, je pense, ça fait peut-être 1 ou 2 ans déjà. Mais il faut que les choses avancent. Parce que tous les jours, vous nous montrez crimes rituels, les décès, les morts suspectes et tout ça. Il faut aider la justice. Parce que la médecine légale, c'est quoi? C'est aider la justice à rendre justice, si on peut faire répétition. Et pour le faire, il faut qu'on ait les moyens. Il faut qu'on ait un plateau technique. Parce que moi, je dis, la mort, la morgue, le milieu mortuaire, ce n'est pas, ça ne doit pas être un milieu lugubre. Parce que l'homme, même mort, doit avoir une certaine dignité. Hein? Ce n'est pas la poubelle. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on se bat, on lutte en espérant que les pouvoirs publics vont nous écouter et puis que les choses vont pouvoir un peu vont évoluer. Est-ce que vous comprenez ceux qui partent? Ils sont plus de 7 000 là, médecins camerounais établis à l'étranger, en Allemagne, France, États-Unis, d'après les chiffres de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Est-ce que vous comprenez ceux qui partent, maître, docteur? Je suppose qu'ils ont de bonnes raisons de partir, comme moi j'ai eu de bonnes raisons de rentrer. Oui, ils parlent du plateau technique qui n'est pas bon, de la rémunération, des conditions de travail. Les conditions de travail... Vous êtes peut-être resté parce que, disons, que peut-être parce que vous avez une formation assez pointue dans un domaine où il n'y a pas beaucoup de spécialistes, la médecine légale, la médecine du travail. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas nier qu'il y a un problème de plateau technique. Hein? Ça, on ne peut pas faire semblant de ne pas le reconnaître. Hein? On n'est pas le seul pays. Hein? Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas un plateau technique au top. Parce que... Ce n'est pas une excuse? Non, ce n'est pas une excuse. Mais je dis, pour moi... Abandonner, partir, c'est un peu comme baisser les bras. Moi, je suis quelqu'un qui aime me battre. Vous voyez? Sinon, je peux vous dire les opportunités. J'ai un diplôme allemand. J'ai un diplôme allemand. Les appels d'offres, mon diplôme est reconnu dans l'Union européenne. Je peux me lever à n'importe quel moment et dire, bon, je m'en vais, basta, je laisse le Cameroun. Je gagnerai peut-être 2 fois ou 3 fois plus.
mais ce n'est pas dans mon tempérament. C'est-à-dire que j'ai un objectif, je me suis donné un objectif, mettre ma spécialité sur pied avec l'aide de tous mes confrères, parce que je ne suis pas seule, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Donc, et il faut essayer de se donner les moyens, essayer de convaincre. Parce que même pour quand vous êtes, il faut convaincre, il faut se battre. Mais si je dis, bon, écoute, je m'en vais, j'ai un poste à l'Institut médico-légal, ok, salut, débrouillez ouais, votre médecine légale, je m'en vais, et que tout le monde fait ça. Vous êtes environ 17 médecins légistes. Au moins 17, parce qu'il y a une bonne partie en formation, oui. D'accord. Les médecins légistes, justement, ont été un peu sur la sellette en 2017 avec cette très médiatisée affaire, Monseigneur Jean-Marie Benambala, que vous connaissez certainement. Beaucoup se sont demandé pourquoi chercher des experts allemands de l'Interpol alors qu'au Cameroun, on avait de l'expertise. Donc, quand vous dites sur la sellette, c'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire que vous avez été. On se demandait bien, où étiez-vous? Qu'est-ce que vous avez dit sur cette affaire? Non. Il faut connaître le rôle d'un médecin légiste. Le médecin légiste n'est pas celui qui se tient à la télé et qui se met à faire des déclarations. Médecine légale, c'est la médecine et la justice. Il y a une enquête derrière. Il y a un secret d'instruction. Et il y a le secret professionnel. Le médecin légiste ne se lève pas pour courir sur les lieux, pour dire que voilà, écartez-vous, je viens m'occuper d'un corps. Non. Le médecin légiste est commis. Il y a une réquisition qui est faite en bonne et due forme. Et donc, à l'issue de cette réquisition, il y a des missions qui lui sont assignées. Et donc, quand il remplit cette mission, il fait le rapport à qui de droit? À celui qui a commis cette mission et il remet le rapport. Maintenant, c'est au judiciable de faire sa déclaration. Dans le cas d'espèce, ça a été fait? Pardon? Dans le cas d'espèce, le rapport a été rendu? Ben écoutez, moi, je n'ai pas été menée. Vous me demandez, je ne sais pas si mon nom était associé dans cette affaire. En tant que présidente nationale, quand même, vous avez certainement eu un certain nombre d'informations. Non. Ce n'est pas une affaire de présidente. C'est une affaire de job. Quand on commet un légiste, on ne commet pas la présidente. On peut prendre le légiste qui est à Bafoussam, on peut prendre le légiste qui est à Yaoundé. On lui dit, voilà ta mission. Il fait sa mission et il remet le rapport sans forcément que moi, je suis au courant. Hein. C'est le respect du secret médical. Moi, les autopsies ou ce que je fais, je ne prends pas le micro pour appeler celui de Yaoundé pour dire « Voilà, j'ai telle affaire ou telle affaire. Okay. » Vous voyez, c'est un monde un peu, c'est le monde de la justice. Vous voyez, on ne bavarde pas beaucoup, on veut des éléments et dans les enquêtes, il y a une certaine discrétion qu'on doit respecter. Parlons pour sortir de deux combats que mène le nouveau ministre de la Santé publique. Le premier contre les hôpitaux privés clandestins. Ça suscite une levée de boucliers de façon assez surprenante quand même dans l'Ordre national des médecins du Cameroun. Pourquoi? Vous demandez à l'Ordre national ou bien vous demandez au docteur comme ce médecin et depuis 23 ans qui a eu certaines connaissances des questions médicales au Cameroun. Oui, il y a une polémique. Il y a du moins pas une polémique, il y a une affaire. Clairement, le président de l'Ordre s'insurge contre cette campagne. Oui, écoutez, cette affaire actuellement est d'actualité. Hein. L'Ordre des médecins est là et travaille dessus. Il y a le CINAMEC qui travaille dessus. On est une corporation. C'est-à-dire que moi, en tant que personne individuelle, je ne viens pas dans un plateau de télévision vous dire que voilà ce qui se passe. C'est un travail d'équipe qui est en train d'être fait. Et le moment venu, ils vont vous rendre... Vous aurez on est un peu surpris que ce soit que les premières contestations viennent des médecins. De l'Ordre, précisément. Alors qu'on sera attendu que l'Ordre accompagne l'assainissement qui est attendu depuis belle lurette. Non, là, je ne peux pas entrer dans ce... Honnêtement, je ne peux pas entrer dans ce genre de détails parce que ce n'est pas un dossier que j'ai vraiment... Subi. Et contre les médicaments de la rue, c'est aussi une campagne que mène le Manaouda Malachi depuis quelques semaines. Oui, j'ai suivi à la télévision et je pense que si j'ai regardé vos débats, il y a eu... dans une chaîne de télévision concurrente, il y avait un responsable de l'Ordre des pharmaciens qui est en train de gérer cette est-ce qu'il réussira là où ses prédécesseurs ont échoué? On parle de complicité jusqu'en haut lieu dans la... Vous me faites entrer dans un domaine que je ne maîtrise pas. Je suis ni vendeuse de médicaments, ni pharmacienne. Je suis médecin légiste et médecin de travail. Vous me faites entrer dans une polémique qui n'est pas du tout mon domaine. C'est pas une polémique, votre regard sur cette campagne, les médicaments de la rue, lorsque vos patients en prennent, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que... Moi, je ne peux pas dire que mes patients en prennent. Je fais de la médecine du travail. Et dans la médecine du travail, pratiquement les entreprises, ils sont assurés maladie. Ils sont assurés, ils ont des cartes. Donc, quand on prescrit, ils vont dans les pharmacies. S'ils sont pris en charge à 100%, ils ne payent rien.
ils donnent leur carte et on leur délivre les médicaments. Donc, je ne suis pas du tout confrontée aux médicaments de la rue. Ils achètent leurs médicaments, s'ils sont pris à 80%, ils payent le ticket modérateur de 80% et on leur délivre leurs médicaments. Merci bien. D'accord. Merci à toi, Donald Brice Kamgan, pour cet exercice avec Dortecom. On te souhaite de passer un agréable dimanche. Ah, merci et à nos téléspectateurs. À dimanche prochain, je serai là. À dimanche prochain avec Donald Brice, naturellement, et avec un autre invité. On va continuer, on va avancer avec le docteur. Cette fois-ci, on va parler justement de la médecine. Elle va nous dire... Elle va beaucoup plus détailler ce que c'est que la médecine du travail, parce que c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs qui nous regardent en ce moment, qui souhaiteraient savoir comment est-ce que ça devrait se passer. Mais avant, docteur, lorsque vous êtes revenu au Cameroun, vous avez déposé votre valise à Douala parce que votre domicile familial avec monsieur était cette année-là à Douala, quand bien même vous avez grandi à Yaoundé. Mais après, vous êtes allé directement à la clinique Oumassi. 35 000 francs, c'était le montant de votre salaire à la fin du mois. Mais ceci étant, on va prendre d'abord une respiration musicale. Juste après, vous allez nous donner des détails. Comment est-ce que ça se faisait? Est-ce que vous... Parce que là, elle nous parle, elle est très amusée, hein, le docteur. Donc, les 35 000 francs, elle va nous dire est-ce qu'elle était contente, satisfaite de ce montant-là? Qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce qu'elle venait deux fois ou trois fois par semaine à l'hôpital? Est-ce qu'elle méritait ce salaire-là? Dans tous les cas, respirons un peu. Hein. Vous aimez bien la musique, docteur? J'adore la musique. Vous aimez bien danser? J'adore danser. Voilà, vous allez donc souffler encore musicalement en parlant maintenant. Juste derrière, on se retrouve. Bon, voilà. Donc, en attendant un peu, hein, on va continuer notre causerie en attendant la musique. On va donc continuer à échanger. Alors, parlez-nous donc de votre arrivée au Cameroun. Vous avez décidé de ne pas perdre la main, comme on dit, et naturellement. Vous avez jeté votre dévolu sur la clinique Oumassi. Oui, en fait, quand je rentre au Cameroun, malgré le fait d'avoir été boursière du gouvernement camerounais, il s'avère qu'on ne recrute plus dans la fonction publique. Donc, on avait arrêté les recrutements dans la fonction publique. Donc, on n'avait pas le choix que de travailler, de se jeter comme ça sur le terrain. J'ai fait comme tout le monde, demande de travail à déposer à gauche et à droite. Et quand j'atterris à la clinique Oumassi, en fait, je me rappelle, c'était mon père, le père Chouembou. Il me dit, écoute, je ne recrute pas, mais ce que tu peux faire, tu peux faire des gardes. Donc, je faisais une garde par semaine et un week-end le mois. Donc, c'était le jeudi, ma garde de la semaine. Donc, ça faisait quatre gardes le mois et un week-end donc, par mois. Bon, c'était 35 000, c'était payé quoi, 5 000 francs la garde à l'époque. Donc, quand on additionnait, ça me faisait un peu... C'était pas un travail à temps plein. D'accord. Donc, okay. C'était pour avoir quand même quelque chose aussi. Et surtout pour ne pas perdre la main. La main, voilà, tout à fait. D'accord, la précision en vaut la peine, docteur, voilà. Parce qu'il y a des médecins qui nous regardent. Maintenant, parlons de cette médecine de travail. Il y a beaucoup d'entreprises au Cameroun. Est-ce que vous pensez que ces entreprises-là comprennent l'importance, la nécessité d'affilier de la médecine du travail? Déjà, il y a une législation. Parce que ce n'est pas un problème de comprendre. Il y a une législation qui est claire et on doit s'arrimer à la législation. C'est-à-dire? Toute entreprise doit avoir un médecin de travail. Ça, c'est dans les textes, c'est clair. Bon, il y en a qui suivent, il y en a peut-être qui passent outre mesure. Jusqu'au jour où il y a peut-être un contrôle de l'inspection médicale du travail, où ils sont obligés de s'arrimer. Vous voulez nous faire comprendre que c'est une obligation pour chaque entreprise. C'est une obligation légale pour chaque entreprise. D'accord. La taille de l'entreprise, est-ce qu'on peut la voir? Qu'est-ce que vous mettez dans entreprise? Citez-nous quand même deux ou cinq entreprises. Non, qu'est-ce que vous mettez dans ça? Parce que quelqu'un peut se dire, je fais telle chose, je peux avoir... Il y a un chef d'entreprise, il y a une hiérarchie dans l'entreprise. Il y a le chef d'entreprise, il y a les ressources humaines, il y a le personnel. Quel type d'entreprise, c'est ce que je veux dire? C'est des grandes sociétés, c'est des petites? Non, c'est pas hiérarchisé. La loi dit que toute entreprise doit avoir... c'est l'arrêté qui m'échappe, hein. C'est 39 ou 15, ou je ne sais plus trop bien. Ça m'échappe. Je pense que là, il faudra vous rapprocher du président de la Société camerounaise de santé et sécurité au travail. Et en fonction de l'effectif du personnel, il y a un type de service de santé
qu'on doit créer dans l'entreprise. Mmh. Donc c'est vraiment, comment on dit ça, tout est homologué, hein. Mmh. Tout est homologué, c'est vraiment pas du hasard, hein. Donc, oui. Et normalement chacun doit s'arrimer. Hein. Alors, et c'est quoi le rôle du médecin du travail? Le médecin de travail, en fait, c'est quoi? C'est le médecin qui est là pour remettre la santé du personnel au plus haut niveau, pour permettre à la productivité de s'accroître. C'est-à-dire qu'il doit, son rôle aussi, c'est réduire ou éviter les accidents de travail, prévenir les accidents de travail, les maladies professionnelles en entreprise. Mmh. Donc, le rôle du médecin de travail, c'est un rôle beaucoup plus préventif, en fait. La médecine de travail est une médecine préventive. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez dans prévention? Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui nous écoutent. Mais prévention, ça dépend de l'entreprise dans laquelle on fonctionne. Par exemple, dans la manutention, admettons qu'il y a les entreprises qui utilisent la manutention, donc il y a un matériau bien précis, il y a les équipements de protection individuelle pour certains postes de travail, les casques, ainsi de suite. C'est un peu ça, les mesures de prévention. Donc, quand ils arrivent, si c'est une entreprise qui fait quand même dans la ferraille, oui, ou bien le bâtiment, on doit lui imposer, on doit vérifier, oui, les mesures de sécurité sont respectées dans cette entreprise. Tout à fait. Et pour chaque secteur d'activité, il y a des mesures de sécurité bien précises. Mm-hmm. Bien précises. Mm-hmm. D'accord. Dans l'audiovisuel aussi, les mesures même dans l'audiovisuel. Ouais. Il y a tout est bien hiérarchisé chez vous. D'accord. Donc j'espère que vous avez un médecin de travail. Bien sûr. OK. On n'est pas par hasard les meilleurs. Mais je... D'accord. Donc, vous vérifiez si tout ça est en norme. Oui. Et lorsque vous découvrez qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'on ne respecte pas... En général, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un organe qui est là pour vraiment... réglementer et surveiller ça, c'est l'inspection médicale du travail. Donc, il y a le comité d'hygiène qui est formé dans une entreprise, et ce comité d'hygiène dont se réunit tous les 3 mois. Et à l'issue de chaque réunion, c'est-à-dire qu'il y a un rapport qui est établi. Et ce rapport nous sert d'évaluation, en fait, parce que dans ce rapport, tout est écrit, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui a amélioré. Et une copie de ce rapport est donnée à l'inspection médicale du travail, et le comité a l'autre rapport, et lors de chaque réunion, on évalue et on améliore progressivement. Mmh. Mmh. Alors, lorsque vous arrivez dans une entreprise où les conditions de travail ne sont pas respectées, vous faites quoi? Mais écoutez, le médecin de travail n'a pas un rôle répressif. On n'a pas le rôle répressif. Mais vous prenez quand même des notes, vous faites quand même votre rapport? On fait le rapport, puisqu'il faut faire le rapport annuel d'activité éventuellement. On fait le rapport à l'entreprise, mais vous ne pouvez pas tenir le chef d'entreprise pour lui dire « faites, il faut absolument que ça soit fait ». Là, c'est l'inspection du travail qui fait son travail, qui fait son contrôle sur le terrain. Mmh. Et c'est eux qui constatent qu'il y a des anomalies à tel ou tel endroit. Ça veut dire que votre rôle, c'est de consulter les employés, le personnel des fois? Oui, on consulte en entreprise, ils viennent aussi se faire consulter pour des consultations ordinaires. Dans votre cabinet. Oui, en fonction du contrat de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des contrats où vous venez en entreprise une, deux fois par semaine. Ça dépend du contrat que vous avez signé avec l'entreprise. D'accord. Et le reste de temps, ils vous retrouvent dans votre cabinet. Est-ce que vous avez le droit, parce que par exemple, il y a un patient, le personnel peut arriver, il fait des analyses, vous avez le droit de donner les résultats à l'employeur ou bien non. Tout ça c'est... Non. L'employeur a le droit de savoir de quoi souffre mon employé? Non. L'employeur en médecine du travail a le droit de savoir si l'employé est apte, inapte à reclasser, c'est-à-dire que c'est la conclusion. Mmh. Il n'a pas le droit de connaître la maladie dont souffre son employé. Mmh. Comment justifie donc parfois les fuites d'informations en entreprise? Les fuites d'informations, je pense qu'il faut voir le système qui est mis en place. Parce que souvent dans certaines entreprises, on a aussi eu à décrire, parce que quand il y a le système d'assurance maladie par exemple, si votre document de remboursement arrive aux ressources humaines ou par celui qui va déposer à l'assurance. Parce qu'en fait, il faudrait un vase clos entre le service médical et l'assurance. Mais si ça doit passer par tout ce qui est courrier et tout ça, comment vous voulez pas qu'il y ait de fuite, puisqu'on met la nature de la maladie sur la feuille d'assurance maladie? Parce qu'en fait, c'est ce petit réseau-là qu'il faut essayer de restructurer. D'accord. OK, on va tenter de comprendre également ce que c'est qu'un... la médecine légale. Mais avant, prenons cette petite respiration musicale. Question de détendre davantage notre invitée de cet après-midi, Madame Patricia Comme-Djomgan.
Assurance Tourisme version Queen's Love. Vous avez bien compris les paroles. Écoutez les belles paroles de Queen's Love qui parle de son assurance touriste, hein, docteur? Elle parle de... c'est une autre assurance. Hein. C'est laquelle? Ouais, si c'est un monsieur qui finance, qui paye, qui lui donne des belles voitures, belles maisons, bon compte en banque. C'est ce qu'elle appelle assurance touriste. Mais dans le jargon médical, c'est quoi l'assurance touriste? L'assurance, c'est vrai que je ne suis pas assureur, mais l'assurance, il y a différents types d'assurance. Assurance en responsabilité civile. Assurance maladie, assurance... C'est large, le département est large. C'est le domaine des assureurs. Oh oui. Mais ce qui nous concerne, il y a l'assurance à responsabilité professionnelle. Oui. Bon, l'assurance obligatoire des véhicules, civils qu'on connaît habituellement. D'accord. Alors, nous allons parler maintenant, docteur, de la médecine légale. Oui. C'est quoi exactement la médecine légale? La médecine légale, en fait, c'est la médecine qui est en emphase entre la médecine et la justice. C'est-à-dire que c'est une branche qui aide à réparer, je vous ai dit, le dommage causé à autrui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le domaine de la médecine légale, il y a les victimes. Les victimes vivantes et les victimes mortes. Les victimes vivantes, comme je l'ai dit tantôt, on a les cas de coups et blessures volontaires, les viols, les accidentés de la voie publique. Et maintenant, on a les victimes mortes dont pour chercher les causes du décès, éventuellement des morts suspectes. Je prends le cas des accidentés de la voie publique, parce que là, c'est un de mes domaines de prédilection. Je travaille beaucoup avec les compagnies d'assurance dans la réparation du dommage corporel. Et donc, le travail que j'ai, en général, l'assurance me commet une mission. C'est-à-dire qu'un véhicule a eu à percuter quelqu'un, dont l'assurance a pris en charge la victime. Et à la fin, la victime est guérie ou consolidée. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus rien à faire au niveau des lésions. Maintenant, il faut évaluer tous les différents préjudices qu'il a subis. Hein, et ça nécessite une expertise, donc une sorte de consultation médicale. Je le reçois à mon cabinet, je l'examine, je dresse un rapport et c'est sur la base du rapport avec les différents préjudices, les différents chefs de préjudice que l'assurance va faire une offre d'indemnisation. Dans le cas des accidentés de la voie publique, ici en Afrique francophone, on est encore régi par ce qu'on appelle le code CIMA. Le code CIMA, le nombre de préjudices à indemniser n'est pas très important, ce n'est pas la réparation intégrale. D'accord. Voilà. Donc, dans d'autres dossiers, on est au niveau de la réparation intégrale, donc de tous les préjudices. Donc, l'idéal, et j'en profite pour dire qu'on a notre prochain congrès, dont le 31 octobre et 1er novembre au JICAM, où un des objectifs, éventuellement, c'est de revoir un peu comment on peut évoluer dans ce domaine-là, dans la réparation intégrale des victimes, quelles que soient les victimes. Vous êtes, par ailleurs, médecin légiste aussi. Parlons donc, c'est qui, c'est quoi? C'est un médecin légiste. Ben, un médecin légiste, comme je vous l'ai dit, c'est le médecin et la loi, la justice. Ouais. C'est-à-dire qu'il va aider le procureur à résoudre son problème. Pour que le téléspectateur comprenne, je prendrai un peu les petits points par point. On a le médecin légal. Légiste. C'est le médecin légiste, en fait. La médecine légale et le médecin légiste. Voilà. Donc, c'est celui qui fait de la médecine légale. Le médecin légiste vous rédige un certificat médico-légal. J'interpelle aussi les magistrats. C'est-à-dire qu'on a des gens qui se retrouvent, par exemple, en prison sur la base d'un certificat médical où il y a un taux d'incapacité énorme. Et la loi du Cameroun dit à partir d'un certain nombre de jours, on le défère. Normalement, l'idéal, c'est de l'envoyer chez un médecin légiste pour qu'il fasse une contre-expertise médicale pour voir si effectivement, parce que, bon, je ne veux pas ouvrir le dossier des certificats médicaux de complaisance, mais il y a eu des gens qui ont été déférés sur la base de certains certificats médicaux qui n'étaient pas très corrects. Donc, l'idéal, quand on a un cas comme celui-là, moi, je conseille aux amis, écoutez, envoyez-le chez un légiste, il fait une contre-expertise et c'est sur cette base qu'il authentifie si effectivement le taux est avéré ou pas. C'est-à-dire que voilà un peu le travail du légiste. Ok. On va parler maintenant des autopsies. Oui. C'est vrai qu'en Afrique, on n'est pas... Il y en a qui ne comprennent toujours pas, voilà,
qui balaient du revers de la main. Cela peut-être parce qu'ils estiment que la procédure est très longue. C'est le cas aujourd'hui de nous éclairer là-dessus, d'expliquer certaines choses aux téléspectateurs qui nous regardent. À quel moment demande-t-on une autopsie? C'est quoi l'autopsie? Commençons par là. L'autopsie, en fait, c'est une sorte d'acte, comment on dit, chirurgical, entre guillemets, sur un macabre, un cadavre, pour chercher la cause d'un décès. C'est quand il y a mort suspecte, il y a autopsie. Oui. Quelle que soit la mort suspecte, en gros. Hein, on ne comprend pas grand-chose, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on a trouvé un corps. Normalement, on doit demander une autopsie pour savoir de quoi il est réellement mort. D'accord. Voilà. Et donc, l'autopsie se fait en plusieurs étapes. Il y a d'abord l'examen externe du cadavre. C'est-à-dire qu'on regarde. On déshabille le cadavre. On déshabille le cadavre, on regarde s'il y a des sévices corporels. Éventuellement, s'il a reçu des coups, ainsi de suite. Mm. Après avoir fait l'examen externe, c'est à ce moment qu'on passe à la dissection, qu'on ouvre le cadavre pour rechercher à l'intérieur s'il y a peut-être une rupture d'anévrisme ou quelque chose. Donc, en fait, c'est bien orienté hein, en fonction de ce qu'on a comme élément d'enquête au départ. Donc, on oriente l'autopsie dans ce sens-là. D'accord. Je donne un exemple simple. Hein. Vous entrez dans une baignoire de chambre, par exemple, vous retrouvez quelqu'un qui est à l'intérieur, on vous dit que la personne s'est noyée. Oui. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas compréhensible qu'une personne adulte puisse se noyer comme ça, surtout quelqu'un qui maîtrise la natation et tout et tout. Donc maintenant, quand on le sort, il y a des personnes qui vous disent non, forcément, cette personne a été peut-être asphyxiée avant d'être jetée dans la baignoire ou dans la piscine. Quand on vous ramène un corps comme celui-là, on vous dit au prime abord, on l'a sorti de l'eau. Et peut-être vous n'y croyez pas, ou alors les membres de famille ou les personnes proches n'y croient pas. Quand on arrive donc, pour faire une autopsie, vous commencez par quoi? Au départ, quand on vous sort un corps de l'eau, on revient avec l'eau. Bon, on recherche les signes d'asphyxie. Quand on parle de noyade, il y a des signes d'asphyxie qu'on doit rechercher sur le cadavre à l'examen externe. C'est la première chose qu'on recherche. C'est présent, c'est pas présent, on se pose des questions. Si c'est pas présent... À ce moment-là, ça nécessite une opération? Oui, c'est-à-dire que c'est d'abord l'examen externe. Nous avons un corps que nous sortons de l'eau. On regarde les signes d'asphyxie. Parce qu'en fait, quand on parle de noyade, ça veut dire qu'il y a une asphyxie. Tout à fait. Et il y a des signes bien spécifiques. Bon, c'est très scientifique, je ne veux pas vraiment entrer dans les détails. Donc, c'est ce qu'on recherche au préalable. OK, on trouve les signes d'asphyxie. Maintenant, on va faire l'ouverture du corps. Et quand on fait l'ouverture du corps, dans le cas des noyades, il y a certains prélèvements qu'on va faire et certains éléments qu'on recherche, qu'on doit pouvoir retrouver. Soit en toxicologie, on envoie dans les laboratoires de toxicologie, qu'on doit retrouver systématiquement. Donc c'est vraiment un processus assez long. Ça prend du temps, ça peut prendre combien de temps après toi? Pour le cas de la noyade, par exemple, une fausse noyade, entre guillemets, hein, puisqu'on vous montre, on veut vous faire croire que cette personne a été noyée. Le problème qu'il y a, c'est-à-dire qu'en fait, on aura des éléments en faveur d'une noyade, parce que dans notre cadre, on n'a pas de laboratoire de toxicologie. Donc, il faut envoyer à l'extérieur pour chercher ce qu'on appelle les diatomées, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments qu'on va retrouver dans les poumons ou dans l'eau dans l'estomac, ainsi de suite, qu'on devrait normalement, a priori, retrouver dans la même où on a trouvé le cadavre. Ou si ce n'est pas le cas, ça veut dire peut-être qu'il y a une manipulation, ainsi de suite. Donc, on est obligé d'envoyer à l'étranger. Et là, ça met un certain temps. Donc, au départ, quand on rend un rapport, on parle donc en faveur, on peut dire en faveur par rapport aux éléments qu'on a trouvés. D'accord. Est-ce que une maman, parlons maintenant de notre cas, c'est-à-dire qu'une maman, une femme enceinte qui suit régulièrement ses visites, qui va normalement à l'hôpital, on a fait presque tous les examens qu'elle a eu à les faire, et le médecin vous dit, vous allez accoucher peut-être dans 2 jours ou dans 2 semaines, et on va observer 2 jours avant, le bébé ne respire plus. Ou alors, lors de l'accouchement, l'enfant sort normalement, mais ne pleure pas, comme on dit, ne crie pas, est décédé. Est-ce que maman peut demander une autopsie à ce moment pour savoir? Est-ce qu'on peut demander une autopsie pour savoir les causes réelles? Est-ce que la responsabilité est attribuée au gynécologue ou alors c'est aux parents? Ou est-ce qu'on peut demander une autopsie? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans le cas de... C'est une bonne chose d'en parler. Dans le cas de la médecine légale, il y a ce qu'on appelle les expertises en responsabilité médicale. Et ça, c'est un bon volet, c'est-à-dire que ça traite
soit de la faute médicale ou d'un aléa thérapeutique. Donc la faute peut être du ressort du médecin. Donc, du gynécologue éventuellement, oui, ou on se rend compte peut-être c'est la patiente qui n'a pas suivi les recommandations. Donc c'est ce qu'on appelle l'expertise en responsabilité médicale. Donc il y a un décès à l'hôpital, il faut demander, si vous suspectez qu'on n'a pas pris bien en charge votre patient, vous demandez une expertise, vous allez porter plainte et on fait une réquisition pour expertise en responsabilité médicale. Ça, c'est un volet bien spécifique donc, de tout ce qui est erreur médicale, décès, suspect, ainsi de suite, en milieu hospitalier. Oui, d'accord. Et vous aurez les résultats au bout de combien de temps, selon vous, une estimation? Non, c'est difficile d'avoir une date. C'est difficile d'avoir une date parce qu'en fait, c'est en fonction de ce qu'on cherche. Et on peut, à la fin, avoir, vous pensez qu'on peut croire aux résultats, on peut avoir les résultats réels, les causes réelles du décès de cet enfant? Mais bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, quand on cherche, on regarde, c'est-à-dire qu'il faut relater tout le cursus. Est-ce que les choses ont été faites dans les règles de l'art? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette maman qui suit ses consultations à l'hôpital, je suppose que dans un hôpital, elle est enregistrée. Elle a un carnet de santé, elle a les médicaments qui ont été prescrits à des doses bien spécifiques. Est-ce que ces doses correspondent réellement? Est-ce qu'elle a des antécédents? Est-ce qu'il y a des médicaments qu'elle ne devait pas prendre? C'est vraiment un cadre bien à part. Hein? Et ça, c'est la notion du spécialiste en médecine légale. Maintenant, si c'est avéré que c'est la faute au médecin, au gynécologue, comme on le dit, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment? Mais c'est la justice qui prend le cours. Le médecin, lui, fait juste son rapport et remet au procureur qui l'a commis. Et maintenant, ça, c'est du côté des judiciables, en fait. Si elle a porté plainte, c'est la justice qui suit son cours. Le médecin légiste, lui, n'a plus rien à faire. Lui, gère le côté médico-légal, médical. Et il remet son rapport. Il est plus censé savoir si la personne est en prison ou si on l'a arrêté ou ce qui s'est passé après. Là, ce n'est pas son affaire. Vous avez d'abord fait la médecine générale. Hein. Avant, rappelons que Landry Mann est avec nous. Hein. Il se charge de vous faire un magnifique portrait au sorti de ce programme. Vous allez voir, vous allez découvrir, savoir à quoi vous ressemblez hein, sur cette peinture-là. On a également l'actualité de la semaine. Hein. Il y a le MTV qu'on va vous proposer. Mais avant, on part toujours, on reste dans la médecine. Il y a ces erreurs médicales-là qui existent. Comment résoudre les problèmes des erreurs médicales, des erreurs qui viennent de la médecine? C'est-à-dire qu'on vous fait un diagnostic, on vous pose un diagnostic par rapport à une maladie, alors qu'au final, vous ne souffrez pas de ça. Et on vous a donné des médicaments qui sont passés totalement à côté et qui, naturellement, vous ont causé des dégâts. Les erreurs médicales, parlons-en. Ça vient de quoi? De la mauvaise formation? Ça peut arriver, vous pensez que ça peut arriver? Ou alors c'est parce qu'on n'est pas suffisamment professionnel? Non, déjà, pour parler erreur médicale, il faut avoir des preuves. Il faut que ça soit avéré. Il faut avoir les preuves concrètes. Ce n'est pas le plus facile à trouver. Et il faut savoir une chose, c'est que le médecin a obligation de moyens, mais n'a pas obligation de résultats. C'est-à-dire, c'est quoi cette nuance-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il met tout ce qui est en son œuvre, il met tout en œuvre pour pouvoir soigner la malade. C'est-à-dire que moi, si je vous demande une échographie, ou un IRM, par exemple, et que vous ne faites pas mon IRM et que j'ai une rupture d'anévrisme, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, la faute ne vient plus de moi. C'est-à-dire quoi? Vous avez prescrit? Je vous ai prescrit ce qui doit être prescrit par rapport au diagnostic prévisionnel que j'ai fait. Mais si maintenant vous allez chez vous, comme on sait le faire ici chez nous, et que c'est deux semaines après qu'on se rappelle que j'ai des résultats, là, docteur, les résultats que les examens qu'on m'avait prescrits il y a deux semaines, là, vous êtes là, je viens vous apporter ça. Entre-temps, la maladie a évolué. Mais le médecin aura fait son travail dans les règles de l'art et dans le temps. C'est pour ça qu'on dit là, obligation de moyens, mais pas de résultats. Oui, d'accord. Là, c'est un autre cas. On a un cas, c'est vrai que les centres intégrés de santé, ça naît un peu de partout. Oui, et on a des petits centres dans des quartiers là, où tel se lève, je suis médecin, je pratique ci, je fais ci, je fais ça. Et on laisse évoluer, on sait bien comment ça se passe. Vous avez un médecin qui vous dit... Par exemple, on a le cas d'une dame, hein, quelque part, elle arrive à l'hôpital, le médecin lui dit « Vous avez une grossesse extra-utérine et on va vous opérer. » On opère la dame et dit « Avant ça, je vous prescris un médicament que vous devez prendre. » C'est un cas avéré, quelque part, dans le doigt là. Et la dame prend, c'est un médecin qui a écrit, c'est un centre qui est ouvert, les gens vont se faire consulter. Elle prend l'injection
Et après, pouf, ça déclenche un saignement pas possible. Elle se met mal. Et quand, à la faveur, avec le concours des voisins qui disent non, on se part d'ici, il va plutôt dans tel autre hôpital, on arrive, on se rend compte, c'est un médicament pour chien qu'on lui a donné. Et ça a causé vraiment, vraiment des dommages terribles. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait, docteur? Bon, là, moi, je pense qu'il y a aussi un côté d'ignorance. Hein. D'ignorance, quand on vous dit c'est un centre de santé, qu'on laisse comme ça? Un centre de santé qui est géré par qui? Est-ce qu'il y a un médecin à l'intérieur? Est-ce qu'il est reconnu? Est-ce que nous avons des hôpitaux publics? Pourquoi il faut toujours... Vous savez, nous aussi, je pense que quelque part, la faute nous revient. Est-ce que c'est la faute aux patients? Parce que lorsqu'on est dans un pays comme le nôtre, si on octroie un agrément à un centre de santé, ça veut dire qu'on fait confiance au médecin qui est là. C'est vous qui dites qu'on a octroyé, vous avez vu l'agrément. Ça veut dire que n'importe qui se lève et fait... Est-ce que vous avez vu cet agrément? C'est ça. Parce que aussi, moi, j'indexe aussi un peu les médias. Parce que la médecine, on ne fait pas de publicité. Parce que quand moi, j'allume ma télévision et que je vois le charlatan, du moins charlatan entre guillemets, qui me vend des produits qui soignent tout... Les tradis praticiens, ils font leur publicité dans toutes les télévisions. Mais est-ce que quelque part, vous aussi, vous l'encouragez? Non, je n'ai pas cité Equinox. Pas Equinox, ça. Je n'ai pas cité Equinox, mais je dis, il y a des télévisions qui nous montrent en permanence des gens qui vous vendent des produits. On ne sait d'où ça vient et ça soigne. Et les glaucomes, et les prostates, et les cancers de ceci, cela. Mais le Camerounais qui est à la maison, le petit Camerounais moyen, l'analphabète, qui ne comprend rien et qui voit ça, et qui est allé peut-être à l'hôpital, lui a demandé 50 000, il se dit, bon, tant qu'à faire, j'achète à 1000 francs ce produit et peut-être que ça va m'aider. Parce que la publicité peut faire des dégâts. Ça, je le dis, et je le dis aux chaînes de télévision, parce que je ne suis pas l'ordre, c'est vrai, hein, mais nous avons constaté qu'il y a beaucoup de publicités de tradis praticiens qui vendent des produits. D'accord. Et en ligne, il y a la télé. Ouais, ça, c'est un autre cas. Parlons maintenant, docteur, oui. Puisque vous faites l'autopsie, vous êtes dans ce domaine-là, il vous arrive parfois d'opérer. Et pour faire ci, il y a des opérations où on a oublié, on a oublié certains instruments dans le corps. Vous entendez beaucoup de choses. Ah, ben oui. Hein. Ça, vous entendez beaucoup de choses. Hein. Mais vous me faites porter le chapeau sur des oublis de matériel. Vous savez, moi, je suis médecin légiste. Et en médecine légale, c'est ce qui est avéré. On ne suppose pas. C'est ça ou c'est pas ça. C'est comme la mathématique. Voilà. C'est ça ou c'est pas ça. C'est ça ou c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il semblerait non. On a vu, on a constaté, on a rendu la conclusion. Si on a oublié un matériau dans le corps, admettons, de quelqu'un, hein, la personne va porter plainte. On commet le légiste qui va faire soit son autopsie, je ne sais pas quoi, si la personne est décédée, ou fait son constat et fait son rapport médico-légal. Si la personne a porté plainte, la justice suit son cours. C'est-à-dire que c'est ça le problème du légiste, c'est que c'est légal. Ce n'est pas les supputations. Non. Donc, et nous vivons en Afrique, on raconte beaucoup. Hein. On raconte donc, beaucoup. Oui, moi, en général, tant que je n'ai pas les faits, je ne tiens pas souvent compte de ce qu'on dit, tant que je n'ai pas des éléments de preuve concrètes. Donc, de votre profession de médecin, vous n'avez pas eu à avoir des cas comme ça? Non. Du tout? Non, du tout. D'accord, du tout. On va s'arrêter là pour l'instant, mesdames et messieurs. Après, on va lui poser quand même quelques questions coquines. Hein. C'est une femme, une très belle femme, mais est-ce qu'elle a un cœur à prendre ou bien elle est mariée? On parle de madame depuis un certain temps, vous avez certainement compris, mais quels sont les... C'est quoi? Bon, d'accord. Elle se marie, donc on va d'abord prendre le meilleur de la télévision. La question coquine, on va la garder pour la fin. Hein. Donc, on prend le meilleur de la télévision, le MTV, et c'est maintenant. Au quartier Hippodrome à Yaoundé, c'est une femme éplorée qui relate l'histoire de son terrain situé au cœur de la capitale. Mon mari et moi, on avait acquis ce terrain en 84. J'ai le titre foncier numéro 360, Nyon et Sanaga. À ma grande surprise, en 2017, Monsieur Timmy a loué ma concession sous prétexte qu'il veut faire un restaurant. Il a commencé les travaux et puis il est parti.
C'est par des chants et des danses que les fidèles catholiques du monastère de Babété dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest, ont célébré la fête de l'Assomption. L'évêque Emmanuel Dassy, qui a présidé la messe, exhorte les fidèles à rechercher les valeurs d'en haut, en bonne place l'amour. Nous sommes aujourd'hui victimes d'un trop grand attachement aux contre-valeurs. Puis l'Assomption de la Vierge Marie, justement, nous amène à élever les yeux vers le ciel pour rechercher les valeurs d'en haut. Que l'amour de Dieu s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Alors chaque fois qu'une société se détruit, que les uns et les autres se détruisent entre eux, on se demande, il y a une seule question qu'on va se poser. Est-ce qu'il existe encore l'amour dans cette société-là? Et je pense que la Vierge Marie, mieux que quiconque, est là pour nous apprendre à aimer. Vivre sans électricité, les habitants de Yaoundé en font la dure expérience depuis plusieurs jours. Depuis que j'ai mal là, voyez ma moninesse, que j'ai craint souvent, il n'y a pas moyen, pas de lumière. Depuis une semaine, pas de lumière. Je fais qu'écraser. Regardez à mon âge, j'ai quel âge? 70 ans, j'écrase encore la pierre. Que les enfants font comment? Je n'ai pas de lumière facile. Ça me fait mal, tous mes bras me font mal. Je ne suis pas habitué à écraser la pierre. Nous avons aussi droit à un travail décent. Les syndicats des transporteurs routiers sont formels. La grève annoncée le 21 août prochain est bel et bien maintenue sur l'ensemble du territoire national. Je déclare et j'appelle tous mes camarades à observer le mouvement de grève le 21 août 2019 et qu'ils arrêtent tous les moteurs dès 8 heures si le gouvernement ne résout pas nos problèmes. Que tout le monde garde ses véhicules dès 8 heures. Il y aura mouvement de grève. Et je profite de cette occasion pour informer ceux qui doivent voyager ce jour et tout, de prendre des précautions, puisque l'arrêt de travail va se faire avec des camions grumiers, des camions marchandises, sur l'axe lourd partout. Village au coin du Tapon, localité de l'arrondissement de Kouaktamo, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, et par ailleurs, fief par excellence du bétail, manque d'abattoir. On abat ici des bouches à droite, en gros, c'était au bord de la route. Donc on a manque de l'abattoir, c'est parce que c'est pour cela qu'on abatte à côté de la route. Mais c'est pas bien pour le sang. Même les femmes voient le sang comme ça. Les bœufs qu'on coupe là-bas, on mélange avec le rigot, dans le rigot comme ça, avec toute la peau comme ça là. Ambiance peu ordinaire sur le site de construction du stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé. Des employés en colère bloquent l'entrée du service administratif pour empêcher au directeur du projet de sortir. Il est là, il est dans son bureau là. On lui demande si on va dormir là. Tant qu'on n'a pas notre argent, on ne va pas bouger d'ici. Même s'il faut faire un mois, même s'il faut faire deux jours, tant qu'on si on a la solution, nous on le libère. Tant qu'on n'a pas la solution, il sera assis dans son bureau. On ne le brutalise pas, on ne fait rien, mais on va l'empêcher de sortir. Jusqu'à ce qu'on ait des conclusions. Les membres de la région synodale Vaury-Centre donnent leur position. Après la décision de justice qui met sur pied un directoire pour gérer l'église évangélique du Cameroun pour une période transitoire, un synode régional extraordinaire a été organisé pour s'opposer à cette décision qui sonne pour plusieurs comme un coup de tonnerre. Cette fameuse décision consistant à mettre à la tête de l'église un directoire de un pasteur et quatre laïcs. Tout le monde, presque à l'unanimité, tout le monde ne se sent pas concerné par cette décision. Et nous voulons faire donc savoir à notre hiérarchie et même à l'État du Cameroun que la décision ne colle pas, ça peut faire d'autres soulèvements à la base.
Merci donc à l'ensemble du service de l'information d'Equinox Télévision pour cet élément, le meilleur de la télévision, le MTV. On est de retour avec notre invité de cet après-midi, Dr. Com Patricia Ndiomgon, qui a bien regardé cet élément, elle a bien suivi les interventions des uns et des autres. Qu'est-ce qui aurait marqué l'actualité de la semaine pour vous? Oui, je compatis déjà par rapport aux coupures de courant électrique. Mmh. Parfois, cette dame de 70 ans qui est en train d'écraser, et si je le dis, c'est parce que justement, j'ai pas mal de collègues qui m'ont dit qu'à Yaoundé, il y a rupture. Et il n'était même pas sûr de suivre l'émission cet après-midi. Mm. Donc vraiment, c'est quand même regrettable. Mm. Et on espère que Eneo va faire tout en son pouvoir pour essayer de remédier. Parce que nous avons quand même vécu cette situation aussi. Mm. Le 24 décembre, le week-end de Noël l'année dernière, c'est une situation qui n'est pas agréable du tout. Et on espère que les choses vont changer. Oui, par rapport à la lumière, au manque de lumière, à Yaoundé, on pourrait s'attendre à ce que les gens se plaignent pour, je vais dire quoi, des dégâts causés par l'absence de lumière sur les denrées alimentaires dans les congélateurs, manque d'électricité, les ténèbres, ça empêche peut-être de mieux voir, de mieux faire des choses, certaines choses. Mais pour des femmes, pour se plaindre à écraser sur la pierre, on sait que c'est quand même un exercice favori. Parce que j'ai entendu des hommes rigoler un peu, dire mais c'est un exercice favori pour des femmes, non? Non. C'est vrai qu'on a 70 ans, mais... Non, les choses ont changé. C'est plus comme avant. On a des robots, on a des moulinex. Mm-hmm. Vraiment, tout le monde a le minimum d'appareils électroménagers pour écraser. Quand on voit une maman de 70 ans commencer à se fatiguer, écraser d'une ginja, ouais. Alors que peut-être son robot est là et qui ne... Vraiment, c'est quand même regrettable. Mais on dit que la pierre, c'est la bonne façon de l'écraser. Les femmes devaient être à ça. C'était nos mamans écrasaient jusqu'à 80 ans. Madame Estelle, les choses ont évolué. D'accord, ok. Bon, beaucoup de courage hein, à toutes les mamans, à toutes les femmes qui nous regardent du côté des Yaoundé, les hommes aussi, parce qu'on sait qu'il n'y a pas que des femmes qui font la cuisine. Mais ça permet quand même de rentrer à l'ancien temps et de voir comment c'était difficile et de voir aussi certaines avancées que nous avons aujourd'hui qu'on ne voyait pas beaucoup. C'est vrai. Ok. C'est vrai. Mm-hmm. Autre chose qui aurait retenu votre attention, oui, Madame Com? Oui, il y a quelque chose qui m'attriste, le problème de l'église évangélique. Parce que je suis une chrétienne fervente de l'église évangélique du Cameroun. Et j'avoue que on ne va pas à l'église pour les autres. Mais depuis qu'il y a cette situation, ça a un peu freiné mon élan. Tous les dimanches, j'étais au centenaire, ici. Mm-hmm. Mais depuis qu'il y a tout ce tumulte, ça vous refroidit un peu. C'est-à-dire qu'on se dit, mais finalement, Dieu, est-ce que c'est vraiment Dieu qu'on allait... prier à l'église. Mm-hmm. On a l'impression qu'on a mis Dieu devant, mais que derrière, il y a autre chose. Il y avait un business qui se faisait derrière. Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas les éléments qu'il faut, mais quand on voit tout ce qui se passe depuis, c'est au moins un ou deux ans déjà. Oui, plus de deux peut-être ans. Peut-être plus de deux ans. On se dit, mais est-ce que c'est Dieu qui accepte ce genre de situation-là? Ça veut dire que pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Mm-hmm. Donc vraiment, si on peut essayer de nous assainir l'église, vraiment, c'est la maison de Dieu. Vous avez l'impression qu'ils ont peur, qu'ils perdent beaucoup de fidèles pour cette suite à cette situation-là? Oui. Parce que la dernière fois que j'étais au centenaire, quand même, on se rend compte que le flux de fidèles a diminué. Mm-hmm. Les gens se cantonnent. Moi, plusieurs fois, je me retrouve devant ma télé. Je préfère suivre mon culte devant ma télé, prier avec les enfants, que d'aller... parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'est une sorte de comédie qu'on nous fait finalement. Il faut essayer, ça ne redore pas du tout le blason de l'église évangélique. Donc vous êtes une fidèle de l'église. De cette église-là. De cette église, oui. Donc vous êtes désolée quand même de vivre ce genre de choses. Quand, vous pensez que la fin, c'est pour bientôt de cette guerre? On espère que c'est des adultes. Et puis, bon, mais maintenant que la justice a pris affaire, ça risque de... Une affaire d'église en justice? En justice, c'est quand même un peu... C'est grotesque. Dans tous les cas, en tant que fidèle, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez un message par rapport à cela, en tant que fidèle? Que tout le monde revienne au bon sentiment. Hein. Tout le monde, le pouvoir, décidément, si tout le monde se met à bagarrer pour le pouvoir, qu'on revienne au bon sentiment et on voit pourquoi est-ce qu'on va à l'église. On va prier, rendre grâce au Tout-Puissant. On n'est pas là pour chipoter ou... Je ne sais pas quoi leur dire, mais qu'on revienne au bon sentiment. Hein. Et qu'on nous remette notre église d'antan.
Mais en attendant, vous n'y allez plus, vous regardez quand même. Non, j'y vais de temps en temps, mais oui, bon. Oui, mais ce n'est plus ça. Il n'y a plus le même engouement. Oui, mais ça n'empêche que j'ai toujours ma conviction, ma foi chrétienne ne change pas, quoi. D'accord. Mais c'est le regard que j'ai par rapport aux autres, aux hommes qui bagarrent, entre guillemets. Mm-hmm. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Qui bagarrent, entre guillemets. C'est ça qui a un peu changé et que je trouve un peu décevant, quand même. Vous trouvez ça décevant? D'accord. Ok, bon, ben, il y a aussi le cas de cet abattoir. Hein. On a vu la viande. Voilà, c'est un problème d'insalubrité incroyable. On ne peut pas tuer des bœufs et à côté, il y a des bouses de machin. Il y a un problème d'insalubrité qui ne dit pas son nom. Hein. Ça, il faut construire les abattoirs. Moi, c'est pas assez pour voir. C'est le docteur qui parle ou bien c'est le citoyen? Non, c'est un citoyen. Là, c'est un citoyen. C'est-à-dire que moi, si je vais au marché acheter ma viande et que je vois des bouses de machin à côté de là où on vend la viande, je ne suis pas sûre que j'achèterai cette viande-là. En tant que docteur, les personnes qui achètent cette viande, vous pensez qu'elles courent quand même un risque? Dites-nous quelque chose par rapport à ça. Mais c'est un problème de salubrité. S'il n'y a pas de propreté, il y a des risques sur la santé. Ça, c'est clair. Tout ce qui est saleté, ces microbes et tout le reste. Donc, il faut assainir le milieu. Ça, c'est la saleté entraîne maladie. C'est les bactéries, c'est les virus. Qui rentrent dans la viande? Oui, bon, on va vous dire que c'est vrai qu'en faisant cuire, ça va tuer toutes ces bactéries-là. Mais le cadre, rien que le cadre, honnêtement, je ne sais pas si ça donnerait faim à beaucoup de gens de manger de la viande achetée à côté d'un WC, entre excusez-moi le guillemets. De l'expression aussi. Oui. D'accord. Oui. C'était un peu ça l'actualité, hein, d'après le MTV. Mais pour vous maintenant, personnellement, est-ce que vous étiez au parfum, vos obligations quotidiennes, est-ce que ça vous a permis quand même de feuilleter les journaux, de vous mettre au parfum de l'actualité? Est-ce qu'il y aurait quelque chose en dehors de ce que nous avons proposé qui aurait attiré votre attention cette semaine? Cette semaine, bon, j'ai suivi quoi? Je suis un peu les débats, mais honnêtement, non. Je pense pas que j'ai pas vraiment été canalisée dans les informations. Vous n'avez pas fait les journaux, oui, les journaux de la presse écrite et non, tout. Non, d'accord, ok. On revient à vous, à vos multiples formations, vos diplômes aussi. D'accord, on va commencer par les diplômes, les DU, les diplômes universitaires que vous avez réussi à avoir durant votre parcours. Oui. Bon, déjà, j'ai fait le CES de médecine du travail. Ensuite, le CES de médecine légale, 4 ans, 4 ans. J'ai fait un DU de nutrition et maladies métaboliques. Ça, c'est à Rennes, par le biais du le CNED, Centre national d'enseignement à distance. Donc, c'est la prise en charge de tout ce qui est maladies métaboliques, diabète, hypercholestérolémie et tout le reste, nutrition. J'ai fait un DU aussi de pathologie du sport. Donc, tout ce qui est maladies liées à la pratique du sport. Donc, voilà un peu ce que j'ai eu à faire concrètement. D'accord. Plus de 20 ans à être un médecin de travail dans une entreprise de la place. Quand on parle de médecin de travail, il y a toute une histoire derrière cela que je souhaiterais qu'on la partage maintenant avec les millions de téléspectateurs, parce qu'à la base, ce n'était pas ça. Oui, c'est vrai que je rentre. Et à l'époque, je dis, on était notre petit groupe d'amis, les roquinettes, les danseuses. Entre autres, il y avait Madame Eldin, Tatiana Mabouka, qui est actuellement PCA du PMUC. À l'époque, elle était directeur des ressources humaines. Il y a une autre, Madame Djanga, et un après-midi, on était assises en train de discuter. Moi, je faisais mes petites gardes tranquilles à Kumasi. Et comme ça, elle me lance, oh, je suis en train de chercher un médecin de travail. Et c'est Christiane, donc, Madame Djanga, qui dit, bah, écoute, Patou, comme mon petit nom, c'est Patou, Patou, elle est là. Je ne savais pas ce que c'était que la médecine de travail. Je venais de rentrer. Je pense que j'avais à peine commencé à travailler, ça faisait même pas 2 mois. Puis je lui ai dit, mais médecine de travail, c'est quoi? Elle me dit, écoute, il faut un agrément. Si tu as un agrément, tu viens et puis on va commencer à travailler ensemble. J'ai commencé à sillonner, à me renseigner comment faire pour obtenir donc cet agrément. Puis il fallait constituer un dossier pour envoyer au ministère du Travail à Yaoundé. Et j'avoue que le docteur Capuché, Silver, m'a beaucoup aidé, m'a donné la procédure à faire pour pouvoir avoir les documents requis. Avec le docteur Chouembo aussi. Et c'est comme ça que j'arrive à obtenir mon agrément en médecine de travail dans le cadre de la clinique Kumasi à l'époque. Et c'est comme ça, donc, avec que Tatiana,
m'octroie donc le contrat de médecin du travail à temps partiel au PMUC. Et je l'avoue, je le dis, c'est vraiment à partir de ce moment que ma carrière professionnelle a vraiment flambé. C'est-à-dire que c'est grâce à ce contrat que Tatiana m'a octroyé. Hein, c'est sur cette base que tout est parti comme sur des roulettes avant que je commence à faire la formation et tout le reste. D'accord. Une conversation banale comme ça et tout de suite derrière, il y a une histoire très intéressante. Est-ce que vous avez eu le temps de remercier les personnes qui, dans la conversation, vous ont quand même mis la puce à l'oreille? Je dis, c'est une amie, c'est une sœur. Tatiana, c'est une sœur. Christiane, c'est une sœur. Qui n'a plus besoin de merci, c'est ça? Non, elle sait que il y a vraiment rien à dire de ce côté-là. Elle sait que c'est grâce à elle que j'ai eu ce que j'ai. Ça, je n'ai même pas besoin de le dire, on le sait. Hein. C'est quelqu'un avec qui on a grandi, on a fait tous nos 400 coups et j'en profite pour lui dire encore merci. Voilà, ça, Amando Vision cette fois-ci. Ça. Alors, vous êtes médecin, vous maîtrisez bien le domaine, vous avez eu à travailler vous-même comme médecin de garde. Quand on est médecin de garde et qu'on est dans un foyer à ce moment précis, ça se passe comment la vie de couple avec monsieur, quand tu sais que madame est au travail, je suis à la maison, je garde les enfants, ça se passe comme la lettre à la poste ou bien... En général, les gardes sont programmées. Oui. Donc, et moi, je suis quelqu'un qui anticipe toujours. En matière de tout ce qui est nutrition, faire à manger à la maison, les ménagères n'ont jamais fait à manger chez moi. La ménagère va se limiter peut-être de m'éplucher l'ail ou d'apprêter ce qu'il faut apprêter, mais c'est moi qui fais. Jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est moi qui ai toujours fait à manger. Vous vous organisez comment? Dites-nous. C'est-à-dire que le matin avant de partir, tout est macéré. Ça, c'est quand je travaille dans la journée normalement. Vous partez de la maison à quelle heure? Je pars pas très tôt. Naturellement. Donc, dites-nous. Je pars pas très tôt, ça c'est vrai. Votre emploi du temps vous permet de partir de la maison au plus tôt à 10h? Oui, 10h, souvent 11h. Actuellement, parce que c'est, très souvent c'est sur rendez-vous que je vais au travail. Donc la veille, je dégivre ce qu'il y a dégivré comme viande. Le matin, je fais macérer au frigidaire. Donc, on comprend que vous avez du temps pour ça. Oui, je m'organise. D'accord. Je m'organise. Le soir, quand je finis mon boulot, je rentre, je fais ma popote. Et maintenant, on mange. Ouais. Maintenant, quand je suis de garde, quand j'étais de garde à l'époque, c'était pratiquement le même scénario, puisque la garde se prenait vers 18h. Donc, je faisais à manger avant de partir et je prenais la garde. Je dors à l'hôpital, donc je laissais la nourriture pratiquement prête. Et monsieur, quel est le regard que monsieur porte sur ça? Au revoir chérie, je reviens demain. Il vous dit ok, bye bye, on se voit demain. Est-ce que monsieur est... c'est ça la question en fait. Oui. C'est difficile de convaincre un homme, je vais dormir dehors, je vais faire ceci, je vais faire cela. Est-ce que lui, il ne vous... Est-ce qu'il n'y a pas une menace derrière et est-ce qu'il n'y a pas un chantage derrière? Non. Moi, je pense que quand on a une femme qui a un boulot, qui a une responsabilité, ce n'est plus l'époque de nos grands-parents où la femme restait à la maison et le monsieur amenait tout. Donc, il y a une contribution de la part des deux époux dans un ménage. Donc, c'est des sacrifices, c'est des concessions qu'il faut faire. C'est-à-dire que le monsieur sait qu'elle est à la garde et elle reviendra le lendemain, tranquillement. L'essentiel, c'est de pouvoir se respecter et de respecter son conjoint. Sinon, on se déplace pour aller où? Pour aller faire sa garde et après on revient à la maison. Pour votre cas, cette pilule, est-ce qu'elle a été facile à avaler par monsieur? Oui, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Il vous faisait confiance? Oui. Vous lui avez donné peut-être des bonnes raisons de vous faire confiance, c'est ça? Je suppose. À côté, on dit souvent la confiance n'exclut pas. Pas la méfiance, le contrôle. Donc, sur ce domaine-là, il n'y avait pas de problème. Non, et puis le travail de nuit est tellement éprouvant que je ne sais pas dans quelle dérive il faut commencer à aller faire des dérives. Non, non, non. Le travail de médecin est contraignant, stressant. Et vraiment, quand vous sortez de la garde, la première chose, c'est rentrer chez vous, vous coucher et dormir. Il y a des cas, il y a eu des moments où je vous appelais pour savoir, ça va, vous allez bien? Non. Au milieu de la nuit? Non. Est-ce qu'il y a des moments où il a débarqué à l'hôpital pour vérifier si vous êtes là? Non. Il vous attendait tranquillement à la maison? Tranquillement, et puisque lui-même avait son boulot. Il ne passait pas la nuit là-bas? Quand non, jamais. Il restait à la maison à regarder les enfants? Je suppose. Ok, d'accord, c'est bien, madame. Comme dans ce domaine-là, on va parler des vols de médicaments dans certains... Vous avez été infirmière, vous avez travaillé, subi tout, traversé toutes ces étapes-là. On parle des vols de médicaments malheureusement. Comment ça se passe là-bas?
Je ne vais pas vous demander si vous avez déjà eu à voler des médicaments pour, vendre, pour les vendre aux patients. Non, je ne vais pas demander ça quand même. Des vols de médicaments? Oui, on parle des patients qui arrivent avec des médicaments et puis des infirmières parfois qui... Soit ils vous prescrivent des médicaments de surplus, un truc comme ça, ou on vous vend des médicaments qu'on aurait pris, je ne sais pas, trafic des médicaments, un truc comme ça. Bon, c'est vrai. On vous fait une ordonnance, allez acheter à la pharmacie, mais on en a derrière. Hein. Si vous avez de l'argent, on vous les vend immédiatement. Ça se passe comment? Non, moi je vous dis ce que je suis, parce que comme je ne suis pas dans un hôpital public, donc dans les hôpitaux privés, c'est pratiquement différent. Mais moi, l'expérience que j'ai, c'est-à-dire la dernière année de médecine, quand je me rappelle très bien, à l'époque, c'était à l'hôpital La Quintinie, j'étais venue faire un stage d'un an à l'hôpital La Quintinie, et... Il y avait la conscience professionnelle, je me rappelle d'un médecin paix à son âme, le feu docteur Sonnet. Quand la personne arrivait en urgence, il allait lui-même prendre des médicaments à la pharmacie en son nom. Oui, il prenait en son nom, marquait, il soignait. Cette conscience était vraiment acquise, hein, ça je vous le dis. Il soignait les malades et le matin, quand vous arrivez à l'hôpital et qu'on vous dit le malade est évadé, Le malade est évadé. Oui, c'est évadé. C'est-à-dire et là, ça veut dire que le malade a disparu parce qu'il allait mieux. Il a fondu dans la nature. Il a fondu dans la nature et la facture des médicaments, vous revenez. C'est plutôt moi cette anecdote que j'ai, mais pas l'inverse en matière de vol de médicaments. C'est un patient qui est hospitalisé depuis quelques jours. Et comment il fait pour partir puisqu'il y a un gardien? Puisqu'il y a des personnes, il y a la garde. Bon, ça date quand même de 82, c'était en 93. Mm-hmm. Donc, ça fait quand même, bon, peut-être que les mesures de sécurité n'étaient pas aussi renforcées qu'actuellement. Parce que peut-être c'est tout ça qui a fait qu'on revoit un peu toutes ces mesures de sécurité-là. Donc, c'est dans cette optique que moi, j'ai plutôt vu les choses. Oui. Mais dans matière de vol des infirmières qui vendent, vraiment, je n'ai pas vécu ça. On le dit que c'est dans les hôpitaux publics, mais je n'ai vraiment aucun élément pour pouvoir l'affirmer. Directement. De façon générale, vous, en tant que médecin, lorsque vous jetez un regard sur le système d'accueil dans les hôpitaux, vous avez un commentaire à faire là-dessus par rapport aux patients? Oui, c'est pas seulement dans les hôpitaux, même dans les cliniques. Même dans les cliniques, c'est-à-dire qu'il peut arriver même là où je travaille. Hein, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé de faire la remarque, par exemple, au promoteur pour lui dire, écoute, il faut dire à telle personne qui est à l'accueil que quand on arrive, je ne sais pas ce qu'elle a à faire avec son téléphone pendant que le patient est en train d'attendre. Hein. Et pareil pour ma collaboratrice. Je lui dis, écoute, moi je suis dans le bureau. Si la porte ne s'ouvre pas, ça veut dire que c'est toi qui chasses le malade. Parce que ça, il faut qu'on le dise et j'attire l'attention. Tous nos collaborateurs et tout le reste, tout, on le sait. C'est-à-dire que l'accueil contribue au moins à 30% de la guérison d'un malade. Et je sais, il y a des gens... qui sont relativement des infirmières qui sont, ou infirmiers, qui sont agressifs, comme il y a des médecins qui sont agressifs. Mmh. C'est pas seulement... mais on est dans un cadre médical. Moi, je dis toujours aux gens, dans le travail, il ne faut pas porter ses susceptibilités ou ses problèmes externes pour venir déverser sur un malade. Le malade, déjà, est relativement diminué. Donc, c'est une communication, en fait, qu'on doit faire et dans les hôpitaux, et dans le service privé, les hôpitaux, les cliniques privées. Parce que ce n'est pas seulement l'apanage du service privé, hein, public, hein, même dans le privé. Parce que vous êtes dans votre bureau, mais vous ne savez pas ce qui se passe en bas. D'accord. Et quelles sont les mesures que vous prenez souvent par rapport à ça, lorsque vous vous rendez compte? C'est l'éducation, la communication. Donc, il y a des réunions. Moi, je vois à la clinique où je suis, le chef d'entreprise qui est médecin. Généralement, il fait des réunions, il sensibilise. Mais généralement, on sensibilise. S'il y a des plaintes, vous connaissez la procédure. Quand il y a une plainte, il y a une demande d'explication, il y a une mise à pied. Il ne faut pas non plus que ça chemine. Ça s'additionne, les plaintes tout le temps. Donc, si les gens continuent de se plaindre, il faut qu'on arrête cette histoire d'impunité aussi. Hein? Ça ne va pas, il faut sanctionner, il faut taper sur les doigts. Et quand on tape quand même sur les doigts, la personne se remet un peu au pas. Parce que la santé, c'est quand même quelque chose de crucial. D'accord. Alors, durant votre parcours, vous avez commencé du bas vers le haut. Est-ce que, en tant que femme, on nous dit parfois, dans la collaboration avec des hommes, des autres hommes dans le même service, c'est des choses vraiment, surtout pour une femme qui a eu à faire des gardes? Moi, je vais vous dire, c'est bizarre, mais mes meilleurs amis sont les hommes. C'est-à-dire? Je m'entends, c'est vrai, même dans le cas, vous avez vu les témoignages, je me suis toujours très bien entendue avec les hommes.
Et c'est pas, est-ce que ce n'est pas un problème pour votre... De par mon tempérament, je ne sais pas. Mais les hommes ont toujours été mes amis, on s'entend, le courant passe et puis... Bon, peut-être c'est les gens que je fréquente aussi. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être la même vision que moi. Ouais. Peut-être c'est ça. Ouais. Est-ce que ça ne pose pas problème à l'homme qui est dans votre vie? Ça ne pose pas problème parce que les hommes, généralement, n'aimeraient pas avoir une femme, sa femme à lui, avoir des amis, des hommes, genre même au téléphone, vous parlez, même si c'est travail. Ça ne vous gêne pas? Ça ne vous ennuie pas? Moi, je suis quelqu'un de très casanier. Je suis quelqu'un de très casanier. C'est ma maison. C'est mon boulot, c'est mes courses, c'est mes séminaires, s'il y en a, c'est la maison. Dès que j'entre, mon téléphone, ce n'est pas une médecine d'urgence que je fais. Donc, mon téléphone, il est toujours là en permanence. Le son est peut-être sous vibreur, mais si le nom s'affiche, si c'est un employé d'une entreprise, il va laisser un message où je rappelle immédiatement, parce que je me dis peut-être qu'il a une urgence, parce qu'on a quand même très bien réglementé les prises en charge en cas d'urgence. Il y a des cliniques où ils vont, où les hôpitaux où ils vont, si c'est le week-end ou jour férié. Donc, honnêtement, je ne suis pas du genre à vagabonder, non. J'adore ma maison, j'adore ma vie familiale, j'aime être chez moi, je suis bien chez moi. Et ce n'est pas un problème pour votre entourage non plus? Non. Voilà, d'accord. Alors, Madame Comme, Madame Comme, on va aborder aussi un autre volet maintenant de votre profession. C'est vrai que ça devient un peu récurrent. Hein. Ça, c'est la question du public, des femmes. Le phénomène des césariennes aujourd'hui, ça devient un peu de plus en plus récurrent. Et puis, les femmes se disent, ah, il y a des cliniques, des hôpitaux privés, comme vous l'appelez, pour se faire de l'argent, vous prescrivent directement une césarienne alors que ce n'était pas le cas. Vous pensez que la césarienne aujourd'hui pratiquée pour les femmes, c'est une fantaisie, c'est un moyen de s'enrichir? Parce que généralement on dit, ah, quand ils ont problème, ils n'ont pas, quand les caisses se vident, on vous prescrit des opérations comme ça. Donc du coup, quand on te pose un diagnostic dans une clinique X, il faut aller dans l'autre clinique pour voir si c'est la même chose avant de pouvoir s'engager. C'est compliqué à répondre. Pour moi, quand on demande une césarienne, ça veut dire qu'il y a un risque pour l'enfant ou pour la dame. C'est-à-dire que ça doit être une indication. Et là, ça revient au problème d'éthique et de déontologie du médecin. C'est tout ce volet-là. C'est-à-dire qu'un médecin qui a un respect de l'éthique et de la déontologie ne va pas prescrire une césarienne parce qu'il va se faire de l'argent, non. Il prescrit parce qu'il faut sauver la vie, parce qu'il y a urgence et il faut sauver la vie. Maintenant, s'il y a cette dérive-là, parce que c'est l'argent, c'est que vraiment, c'est un problème de moralité. Ça, c'est un problème de moralité et ça n'a plus rien à voir avec la pratique de la médecine. D'accord. Ok, on va prendre une autre respiration musicale, mais avant, on aimerait savoir, docteur, vous êtes une femme, comme je le disais tantôt, on va poser quand même quelques questions coquines maintenant, c'est quand même une femme qu'on a en face. Alors, quel est le genre d'homme, le genre de mec qui peut réussir hein, à faire battre votre cœur, docteur? Qui vous a dit que mon cœur ne bat pas? Ouais, mais votre cœur bat? Vous n'êtes plus un cœur à prendre? Non, vous savez. Oui, dites-nous. Non, moi j'aime. Oh, le prototype d'homme pour moi, c'est quelqu'un de discret, qui a une personnalité, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui est responsable, qui respecte, qui est respectueux. Il doit être grand de taille. Il doit être grand de taille, moyen, petit. La taille, pour moi, n'a pas une importance particulière. Non. C'est le caractère de la personne, l'homme, qui est le plus important. Ça doit être, il doit être clair de peau, il doit être un peu noir. Il doit être comment pour vous? Il doit être comment? Là, c'est compliqué, là. Qu'est-ce qui est compliqué, docteur? Il doit être... C'est ça pas une gêne, agence matrimoniale, ça, là. Ça je vous suis gêne pas en de parler de... un peu de ce genre de choses? Ça vous embarrasse un peu? Ça vous non, gêne? C'est pas dans mes... C'est mon petit secret. C'est parce que vous ne voulez pas partager ça? Oui, j'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop. Ok, vous botez la question en touche. Je préfère botter en touche. Alors, à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel, docteur? Waouh!
Alors là, comment on dit ça? Joker. Joker. C'est le joker. Oui. On botte encore en touche. On botte en touche. Alors, lorsque vous êtes dans le couple, dans un couple, en ménage, quoi, qu'est-ce qui vous attire chez un homme, d'accord? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Sa prestance, comment on dit ça? Son aura, oui, la personnalité qui dégage. J'aime un homme, pour moi, c'est quelqu'un, un battant, qui veut toujours plus, mais dans la légalité. D'accord. Quelqu'un d'honnête et d'amoureux. Parce qu'une femme, c'est l'amour. Oui. La fidélité dans le couple. La fidélité dans le couple. Encore que la fidélité, bon, point d'interrogation, hein. On espère, mais on sait très bien que c'est très rare de nos jours. Donc, en fait, il ne faut même pas trop essayer aller dans ce sens-là. Donc, quand vous vivez avec un homme, vous oubliez. La confiance. Il faut mettre la confiance au premier abord et respecter son conjoint. D'accord. OK. Quand vous êtes fâché, vous, qu'est-ce que vous aimez? Comment est-ce que votre homme peut rétablir un climat de paix, de tranquillité dans le couple? Il doit faire quoi? Déjà, j'ai deux facettes. Je rigole beaucoup, mais je me fâche aussi beaucoup. Quand c'est les extrêmes, c'est-à-dire que je suis toujours en train de rigoler, toujours joviale, mais quand je me fâche, je me fâche vraiment. Ouais, mais quand c'est le cas, il doit faire comment pour renouer avec vous, pour remettre la paix, de l'ordre à la maison? Une femme a besoin d'être... Il va débarquer avec des fleurs. Mais oui, une femme a besoin d'être... chouchoutée. Je ne vous apprends rien. Une femme a besoin d'attention. Et d'être valorisé, d'être chouchouté, d'être calmé. Et je pense que la meilleure chose d'abord, c'est d'abord de laisser passer un peu l'orage. D'accord. Oui, avant de venir doucement, doucement, doucement. Je ne donne pas de stratégie aux gens, j'espère. Non, mais ce n'est aucune stratégie. Il doit revenir avec un bouquet de fleurs après. Mais pourquoi pas, ça fait plaisir. C'est le geste qui est important. Un cadeau. Un bouquet de fleurs, un petit parfum ou un petit gâteau, un petit... Ou un petit mot gentil, c'est déjà ça. Vous envoyez un SMS ou bien écrire une lettre qu'il va déposer. SMS, il peut venir me chuchoter quelque chose à l'oreille. Et ça remet tout en ordre. Non, on discute. Ouais. Parce que s'il y a fâcherie, ça veut dire qu'il y a une mésentente sur un problème. Donc, on s'assoit et on discute. Donc, il faut le dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue dans un couple, il n'y a rien du tout. Et vous, pour restaurer la paix, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous faites quoi? Mais un petit câlin. Un petit câlin. Un bon petit plat. Un bon petit plat qu'il aime. Qu'il aime, bien sûr. C'est pour remettre les choses en ordre. Et si ça ne marche pas, vous vous abandonnez? Non, ça va marcher. Ça va, sauf que je marche. Je me fais confiance. D'accord. OK. On souffle la musique. Après cet exercice, ça n'a pas été facile pour elle de s'ouvrir. Mais on va souffler donc en musique et juste on va revenir pour la suite et la fin de notre programme. Sang fouet, non,
Super, il vous a donné l'envie de manger du couscous, une cuit, oui. C'est ça? Ah, ça, ça faisait un bail hein, que j'avais pas. Oh. Mm-hmm. Ça me manque. Venant d'un homme, quand c'est un homme qui valorise le couscous de maïs, c'est un plat de prédilection du côté de l'Ouest Cameroun, plus précisément à Bafoussam, à Ndiancho, par exemple. Hein, c'est bien consommé là-bas. Ah. Ça vous est déjà arrivé de manger du couscous cuit? Oui. Oui. Avec des légumes aussi? Non, je suis Batoufam de père. Nous, c'était beaucoup plus le cuit et le couscous. Oui. C'est-à-dire le légume n'est pas dans... Ça ne rentre ça pas, ne rentre trop pas dans systématiquement, ça. Oui. Mais par contre, à Bafoussam, il n'y a pas d'un cuit sans légumes sans à côté. Légumes. Ils appellent ça le kepo, en fait. Uh-huh. D'accord. Non, alors, bon. Oui, votre plat de prédilection, votre plat préféré, pardon, c'est quoi? Je vais vous dire, je suis une carnivore. C'est-à-dire? J'aime la viande. Sur toutes les formes. Venant d'un médecin, c'est curieux parce qu'on dit à un certain âge, la viande... J'adore la viande. Vous me donnez des brochettes, toutes les viandes. Grillées, soya, poulet, machin. J'adore rôti de viande. À la limite, je peux vous manger viande, poisson, bon c'est rare. Je peux manger sans accompagnement. Oui, la viande comme ça. La viande comme ça, avec mon piment, à côté, bien assaisonné. La moutarde et tout ça. Oui, 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 bien assaisonné, je mange ma viande. Mais venant d'un médecin, oui. Je trouve ça quand même
assez curieux parce qu'on connaît les conséquences négatives de l'excès de consommation de viande dans l'organisme. Oui, mais je fais pas. Il faut éviter les excès en toute chose. C'est-à-dire que 120 grammes de viande, c'est vrai que moi, j'en mange un peu plus de 120 grammes de viande par à chaque repas. Oui, à chaque repas. C'est l'excès qui n'est pas bon, en fait. 120 grammes de viande, c'est l'équivalent de combien de morceaux de viande? Oh, un steak. Peut-être deux morceaux de viande moyen. Il ne faut pas dépasser deux morceaux. Donc, une cuisse de poulet moyenne. Oui, c'est cette quantité qu'il faut. Ça ne sert à rien sinon après. Parce que ça fait de l'acide urique et puis c'est stocké ou éliminé. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien de? De manger plus que prévu. Parce que c'est des excès, ça ne vous apporte rien dans l'organisme. C'est-à-dire que ça, c'est le nutritionniste qui parle. Hein. Oui. C'est-à-dire un repas normal, 100 à 120 grammes de protéines. C'est par jour? Par repas. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut le manger... Le repas de midi, le repas du soir, poisson ou viande. Alors, si vous alignez la viande au petit déjeuner, au déjeuner, vous prenez encore de la viande. Non, je ne parle pas de viande au petit déjeuner. Non, je parle. C'est une question maintenant. Oui. Au petit déjeuner, vous prenez de la viande. Au déjeuner, la viande. Au dîner, le soir, la viande. C'est conseillé? On peut prendre ou la viande ou des œufs. Par exemple, les œufs, c'est des protéines. Oui. On peut prendre un œuf ou deux œufs durs au petit déjeuner. Ça vous fait aussi un soubassement comme un coupe-faim. Mais ça, il ne faut pas avoir un taux de cholestérol important parce que le jaune d'œuf a un taux de cholestérol. Le cholestérol est contenu dans le jaune d'œuf. D'accord. Vous pouvez prendre des œufs au petit déjeuner, à midi de la viande, peut-être le soir du poisson. D'accord. Et maintenant, avec vous variez légumes, fruits, légumes et un peu de féculents. Pas trop de féculents aussi non plus parce que c'est des sucres lents. D'accord. OK. Merci, docteur. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer au Remember. C'est une série d'images que nous allons vous proposer et vous serez tenu, bien entendu, de les commenter en attendant que l'André Mann finisse le travail qui viendra nous le proposer dans un court instant. Voici donc la première image. Waouh! Ça, c'est ma classe de 6e 1 au lycée Leclerc. Là, je me vois, 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire en partant de la droite de ma droite. Vous voyez la petite dame là, le dernier rang, toute courte au fond, j'étais très courte là, avec le gros front. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, le front, oui, le front. Là, je me vois, 1, 2, 3, 4, 5, je vois Jean-Christophe Dongo juste en bas du 6, oui. Il y a Yolé Ndamé. Yolé Ndamé, c'est le deuxième rang à la droite. Je la reconnais bien. Il y a Makanda Nadine aussi, à côté des Bongais. Je vois les deux. Là, la petite métisse, je pense que c'est la fille Essono, si j'ai bonne mémoire. Donc ça, c'est la classe de 6e 1 au lycée Leclerc. La première, 77. 77. Waouh. 77. OK, d'accord. La deuxième image. Ah, ça, c'était un après-midi. Chez Madame Eldin, Tatiana, j'étais allée rendre visite à son papa et sa maman, père son âme, qui est décédée, avec mon fils, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un peu notre papa à Yaoundé, il était venu avec son épouse passer les congés de Noël l'année dernière. Donc je suis allée lui rendre visite avec mon fils, ça faisait un bail que je ne les avais pas vus. Donc... C'était un magnifique après-midi chez Madame Eldin. Ah, ça c'est ma mère, la femme qui a fait de moi aussi ce que je suis. Donc là, elle est aux États-Unis chez ma sœur. Et je pense que c'était lors des préparatifs de ses 80 ans, parce que tous les enfants l'ont retrouvé, les petits-enfants l'ont retrouvé aux États-Unis, à Dallas. Et donc, ils étaient en train de faire les préparatifs. Et c'est ma maman. Un petit message pour maman avant de passer. Ben, coucou maman, je t'adore, je t'aime et elle est toujours vivante et en bonne santé, je rends grâce. D'accord. Maman, le prénom de maman? Elisabeth Jacqueline. D'accord. Là, c'est mes escapades, ça c'est mes petites folies. C'était en Hongrie quand je suis allée rendre visite à Manuela l'hiver dernier. Effectivement, on se baladait un peu et de temps en temps, je fais des petites photos où je rigole un peu comme ça. On attendait le tram à Szeged. La ville s'appelle Szeged. C'est une ville purement estudiantine. Oh là là. À côté, Elisabeth, c'est celle que j'appelle ma sœur, que j'ai dit ma sœur, qui a témoigné tout à l'heure. Et son mari, Dr Changom Robert, le feu Dr Changom, il est décédé. Donc c'était lors du baptême de Manuela. Il était le parrain et elle était la marraine au centenaire.
C'était vraiment un couple qui me, le couple qui m'est excessivement cher. C'était, je l'appelais mon petit, mon grand frère chéri. D'accord. C'était vraiment le petit nom que j'avais. Waouh, là c'est le scoop. Ça, c'est la photo, il y a, je ne sais pas, on avait quel âge, c'était à Yaoundé. En haut, avec l'afro, c'est Madame Eldin, Tatiana Mabouka, la PCA du PMUC. Moi, qui porte, avec la petite frange, parce qu'à l'époque, je faisais tout le temps des petites franges pour cacher mon front. C'est maintenant que je le dévoile, je ne sais plus trop qui je portais. À côté, c'est Madame Djanga Christiane, celle qui était avec, on était donc toutes les trois quand elle a dit « il n'y a pas tout pour la médecine de travail ». À côté, il y a Hélène Ebanga, père, son âme, elle est décédée. C'est une amie. Sa mère était censeur au lycée Leclerc à l'époque. Et elle a fait orthophonie. Elle est décédée à l'île de la Réunion. Donc, elle était parmi les rouquinettes aussi. On faisait les balais. Ah, ça, c'est mon fiston, chéri, le tout dernier, mon mari. C'est votre mari? Oui, là, c'est mon vrai mari, là. Le Benjamin. Son prénom? Fitzgerald. Ah, d'accord. Fitzgerald. Là, on faisait sûrement des courses. C'est lui qui... Il me dit, bye bye, là, il s'en va aussi. Il a fait ses 2 années à Prépa Vogt et il part à Hircom de Angers pour sa licence. D'accord. Donc, c'était un après-midi, on se baladait. Je ne sais plus où je suis allée le chercher. Je ne sais plus. Voilà, ce sera formidable. Tout pour les images pour cet après-midi en ce qui concerne Madame Comme Patricia Ndjomgan, notre invitée. Elle est médecin, hein, pour ceux qui arrivent à l'instant. Alors, docteur, c'est le moment de vous remettre le travail fait par Landry Mann, qui est notre peintre attitré de ce programme. Alors, Landry Mann, bon après-midi. Bon après-midi. Tu vas bien, toi, Landry? Oh, je vais bien, merci. Voilà, le travail, il est terminé. Hein. On va le remettre à Madame merci. Patricia wow. Comme Ndjomgan. Merci. Voilà, c'est le travail de l'entreprise. Elle a aussi uniforme que ça, là. Merci. Ça, c'est votre portrait. C'est alors, votre vous pouvez le retourner quand, oui. Voilà, on voit le travail de Landry Mann. Oui. Voilà, Landry Mann a fait ce travail pour notre invité. Merci. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. À ça. Ça va, madame. Ça va très bien. Okay, merci. Okay, c'est merci moi qui vous remercie. Hein, okay. Merci à toi aussi, Landry, hein, pour ce magnifique travail que tu ne cesses de faire tous les dimanches hein, à ce programme. C'est magnifique. On va te retrouver la semaine prochaine avec notre invité. Ce sera un autre portrait. Voilà, madame, comme Patricia, l'émission est presque terminée, mais un petit mot de façon générale par rapport à la médecine camerounaise. Lorsque vous ouvrez votre radio, votre poste, vous entendez, il y a une femme qui allait accoucher dans un hôpital dans le Grand Nord. Le médecin, le directeur n'était pas là, il y a une dispute, il y a eu ci, ça. Et puis finalement, la femme est décédée. Vous pensez qu'il y a encore la conscience, au-delà de tous les problèmes qu'on a pu quand même évoquer autour de cela, vous pensez qu'il y a une conscience médicale en ce qui concerne le personnel soignant? En ce qui concerne le personnel soignant, je pense que, comme dans tous les corps, il y a des dérives un peu partout. Maintenant, on a des dirigeants qui ont décidé de prendre haut le corps cet aspect-là et on espère que les choses vont évoluer dans le bon sens. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, j'encourage l'équipe actuelle qui a décidé de mettre l'éthique et la déontologie médicale au top des tops pour pouvoir essayer de changer certaines gangrènes qui se sont peut-être installées dans ce milieu-là. Donc voilà ce que je peux dire. Vous avez des projets, vous avez d'autres ambitions, vous avez d'autres formations en vue, Madame Com? Oui, pourquoi pas, moi je n'arrête pas. Hein. Dès que j'ai une occasion, là je venais de m'inscrire à un DU de criminalistique en e-learning à Angers justement, qui doit commencer au mois de novembre. Donc je continue à me former. À ce moment, vous faites comment pour manager tout ce... Pour non, c'est une formation en e-learning. Ah oui, donc là, c'est en ligne et on reçoit... Mais ça vous occupe quand même. Hein? Ça occupe, ça occupe. Je m'organise. Ça vient s'ajouter à d'autres... Oui. Vous allez faire de la place dans votre emploi de temps pour cela. Je n'ai pas le choix. Pourquoi vous faites... Vous êtes toujours en quête de recherche, en quête de savoir, madame. Comme pourquoi vous recherchez... Vous cherchez toujours... Il y en a qui pensent que vous êtes déjà arrivé, mais vous êtes toujours en train de... Non, quand le besoin s'y prête. Quand le besoin s'y prête, on se rend compte. C'est-à-dire qu'en fait... dans mon domaine qui est la médecine légale, il y a plein de sous-spécialités. Et il vaut mieux approfondir. C'est-à-dire que quand on fait la formation, on a une formation globale.
Donc maintenant, s'il faut être pointilleux, si vous avez un cas par exemple de criminalistique, il faut être calé en criminalistique. Donc, d'où, en fait, c'est la raison de ces différents DU qu'on met sur le marché en général. Mmh. C'est pour approfondir dans des domaines bien précis. Votre plus grand souvenir positif dans ce domaine, c'est quoi, Madame Com? Dans le domaine de la médecine légale. De la médecine, oui. De la médecine en général. En général. Ben écoutez, c'est sauver des vies. Hein. Sauver des sauver vies. Sauver des vies. Mmh. C'est-à-dire pour un médecin, remettre quelqu'un sur ses pieds, vraiment, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Il y a eu des cas où vous n'avez pas pu sauver, quand la personne décède, vous vous dites quoi? Il y a quelque chose qui... Vous arrivez, vous débarquez à la clinique, on vous dit tel patient est décédé dans la nuit ou bien après vous... Ça fait mal. Ça fait mal. Il y est arrivé des cas où vous avez fait des nuits sans dormir, vous avez pleuré parce que vous avez perdu un patient. Il y a des cas où je suis même partie d'une garde, je suis revenue et après on m'a dit que la personne était décédée. C'était un cas de drépanocytose, c'était une crise drépanocytaire. Ouais. Moi, quand je partais, je savais que la personne allait relativement mieux. Mm-hmm. Donc, j'étais surprise. Donc, le lundi, quand je reviens, on me dit non, finalement, ça s'est mal passé. Et ça, c'était quand même relativement triste parce que le monsieur avait déjà dépassé, il avait, je pense, 35 ans ou plus. Hein. Ouais. C'est, oui, c'était un coup, quelque chose qui m'a fait quand même relativement mal. Ouais. Le temps nous permet d'évoquer quand même ce cas en quelques temps, en quelques secondes, docteur, où on parlait des malades de sida, c'est vrai qu'il y a des malades de cancer et tout, on les souhaite beaucoup de courage. Mm-hmm. Ou dans un couple, on peut retrouver 5 ans après, 10 ans après de vie commune, c'est-à-dire au départ, avant le mariage, tout était bon, personne n'était malade de sida, mais à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un des deux qui a le sida et l'autre partenaire n'en a pas. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut justifier ce genre de cas? Je suppose que la personne a eu des dérives. Il y a eu des dérives. Pour qu'il y ait infection, il faut qu'il y ait une porte d'entrée. Une porte d'entrée, ça veut dire que quelqu'un a eu des relations extra-conjugales, a contacté quelqu'un qui était séropositif et qui a contacté sa maladie. Mais là n'est même pas le plus grave. Le plus grave, en fait, c'est quand une des personnes est au courant et n'informe pas son partenaire. C'est ça le plus grave, en fait, quand on regarde. Parce qu'il n'informe pas son partenaire, mais nous, médecins traitants, on est tenus au secret professionnel. Et on voit ça tous les jours, c'est-à-dire que... Et vous êtes tenus de garder ça et de ne rien dire au monsieur, au risque qu'il puisse attraper lui aussi cette maladie. C'est ça le problème. C'est le secret professionnel. On n'a pas le droit de le dire. Sous d'autres cieux, dans d'autres pays, c'est considéré comme un crime. Le fait que vous soyez séropositif et que vous n'informez pas votre partenaire, c'est passé à l'Assemblée, c'est considéré comme un crime. Bon, maintenant, c'est les lois chez nous, si ça peut évoluer dans ce sens. Donc, moi, j'ai vu des gens. Dans le couple, est-ce qu'il existerait, on sait qu'il y a d'autres voies pour les femmes, vous pouvez aller dans un salon de coiffure et puis une aiguille. Et puis, il y a d'autres voies. Pourquoi on voit toujours le cas de relations sexuelles? Il n'y a que cette voie-là? Oui, dans bon, la transmission par les objets coupants et tout ça, bon, ça peut arriver. Mais on connaît nos habitudes sexuelles ici en Afrique, en général. Hein. Donc c'est absolument... Je pense que c'est surtout au NUSIDA, ils peuvent vous donner les statistiques, les modes de transmission. Ils ont vraiment les statistiques par rapport aux différents modes de transmission. Et je pense que le mode de transmission le plus fréquent, c'est le mode sexuel, je pense, ici au Cameroun. D'accord. Voilà, docteur, l'émission est terminée. On va naturellement vous dire merci hein, d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous souhaiter un très bon retour chez vous. Merci. Et voilà, donc, mesdames et messieurs, c'est ici donc va prendre fin notre émission de cet après-midi, dimanche avec vous. N'oubliez pas qu'on est toujours hein, les dimanches en direct live sur la page Facebook d'Equinox Télévision. Lorsque vous regardez, si vous n'êtes pas à la maison, c'est le lieu de nous regarder sur Facebook via la page d'Equinox Télévision. Et les horaires de diffusion, de rediffusion, si vous voulez, c'est ce soir, tous les dimanches, à partir de 1h30 et tous les mardis, à partir de 13h30. D'ici à là, je vais remercier hein, la grande équipe conduite par Séverin Chouban, Dalastiana, Cédric Chouna, les diffuseurs, les techniciens, ils sont nombreux. On va se retrouver la semaine prochaine à partir de 14h. D'ici à là, portez-vous bien, au revoir. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. À dimanche.